Ok. On s'arrêtait donc Maseret Yoma, Daf Memba, Amud Rishon. Deuxième ligne à partir du haut du Amud. Amar Abil Azar, Mishum Bar Kapara. Omer Ayar Abi Meir, Evare Ola Shinitotru, Ose La Hen Ma'araka, Bifne Asma, Bisudran, Ve Afiru Beshabbat. Alors, dit Abil Azar, au nom de Bar Kapara, un enseignement de Rabbi Meir, le suivant. Et Varé Ola, les membres du Korban Ola, Shenitotru, qui sont restés, qu'on n'a pas eu le temps de les brûler entièrement, alors on sait la haine Maracha, Bifne Asman, on leur fait une Maracha à part. Le lendemain, on la brûlera sur cette Maracha-là. A priori, ici, il n'y a aucun Hidouche. On a vu dans la Mishnah clair que Rabbi Meir pense qu'il y a quatre marachot. L'une d'entre elles, c'est pour brûler Evarim ou Bdarim, Kshelo Nitarakou. Mais de la veille, d'accord. Donc, on ne voit pas trop bien le chidouche de Rabbi Raza. Bon, la Gemara va parler de ça par la suite. Vesodran va filobe Shabbat. Et même pendant Shabbat, il fait cette maracha et il les brûle dans cette maracha-là. Donc, a priori, il y a deux enseignements. Le premier enseignement, et Bémet, ce sera comme ça selon Rashi. Le premier enseignement, c'est que tu leur fais une maracha, hein, même en chol, le lendemain. Et le deuxième enseignement, c'est même Shabbat, tu le fais. Alors, Rashi, sur place, la deuxième lune de Rashi en haut, il dit Velo Garcinan en la troll. On n'est pas gores en la troll. Dei garcinale maitanina de kaparik. En fait, Rashi va objecter à partir de la suite de l'agmara. Donc, je vais patienter un petit peu. Je vais d'abord faire l'agmara comme on l'a sous les yeux. Et après, on reprendra Rashi, c'est mieux, je pense. Alors, Hadji l'agmara maita mashmala. Qu'est-ce qui est venu m'apprendre? Tanina, bechol yom. Je m'ai enseigné dans la Mishnah. Bechol yom yevekat maharachot, selon l'Abi Meir. D'accord? Et donc, voilà la maharacha pour les valim shinitot. C'est quoi ton hidouche? Là, on est marché sur le premier enseignement. Je viens t'apprendre le djinn suivant. Psoulin. C'est quoi les psoulin? Les membres et les graisses, ils étaient pas saouls. On n'aurait pas dû les monter sur le misbéach. Maintenant qu'on les a montés, eh ben c'est pas grave, tant pis. On va les laisser. Sache que ces psoulines-là, même si on n'a pas eu le temps de les brûler, on pourra leur faire une maharacha le lendemain pour le hidouche que je suis venu t'enseigner. Bien qu'on ne le voit pas apparaître noir sur blanc, c'est ça le hidouche de la bilata au nom de Parthapara, au nom de la Bimir. Mais d'autant que c'est Mashla Bainaour, avalo Mashla Bainaour là. Le moral rajoute une condition. Il faut que ces Evarim ou Bdalim qui sont psolines, eh bien, le feu les a pris déjà. Une fois qu'il les a pris, ça s'appelle l'Ahmosh et Misbeah. Alors le lendemain, tu pourras leur faire une Maharacha à part. Mais sinon, si le feu ne les a pas pris, non. Alors le mot non, on ne sait pas comment l'expliquer. On a deux manières de l'expliquer. Sinon, non, tu le brûles dans la Maharacha Gedola. Je vais expliquer d'autres tchénim, comme ça on verra dans Tosfot Amud Sheni. D'accord? Ou bien d'autres, je crois, Hakam dans les Kut Mifashim là-bas, il dit non, on ne peut pas les brûler. Il faut revérifier là-bas. On ne peut pas les brûler, on les laisse comme ça. Comme s'ils sont. Toujours les comme ça. Comme s'ils sont psoulim, on ne peut rien leur faire. Ouais, d'accord, on les enterre. Mais on ne peut pas les brûler sur la Misbeya. Ouais. On dirait de Rashmi de Sawyala. Je ne sais pas comment on le lit.
Ça, c'est la première lachon. Deuxième lachon, Ikad et Amre, et Had Kshirim, et Had Psulim, et Majla Ben Aour, et Veila La. Donc, il y en a qui disent que peu importe que ce soit Kacher ou Pasoul, d'accord, uniquement si Majla Ben Aour, si le feu les a pris un petit peu, alors tu peux leur faire une Maharaka. Sinon, non. Encore une fois, sinon, non, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Sinon, non, on les met dans la Maharaka Gdola. Ça veut dire que selon la Pashtut de l'Agmara, je reprends maintenant l'Agmara. L'Agmara nous dit, Rabbi Lazar, au nom de Rabbi Meir, nous dit que deux dinim. Premier dîme, Evare Ola Shintotro, tu leur fais une Maharaka à part. L'Agmara dit, oui, mais c'est ce qui est enseigné dans la Mishnah. L'Agmara, elle donne la réponse suivante, où il y a deux versions. Donc, on va dire deux réponses. Première réponse de la Biavine, c'est pour t'apprendre que même les psoulines, tu leur feras une malacha par entière. Dans le cas où à Esh, Chaladbo, d'accord, il y a eu le feu qui a été, le feu l'a pris un petit peu. Deuxième version, je suis venu t'apprendre quoi? Kacher ou Pasoul, peu importe, Kacher ou Pasoul, tu leur fais une malacha uniquement si le feu les a pris. Si, non, non. Donc, selon la première version, ça sort que ceux qui ne sont pas psoulines, même si le feu ne les a pas pris, d'accord, on leur fait quand même une ma'alakha bifna asma. C'est d'afra l'etmeim, les psoulines, ouais, les psoulines qu'on leur fait une ma'alakha bifna asma que si maintenant le feu les a pris. Selon la deuxième version, on ne fait pas de différence. L'un comme l'autre, pas soul ou pas soul. Uniquement si le feu les a pris, on leur fait une malacha bifnasma. Sinon, malacha gdola. Mais un taor, qui n'a pas été pris par le feu, celui-là, quand même, tu ne peux pas le descendre du misber. Selon l'autre explication, je ne sais pas, il faut l'avoir, l'autre explication. Je n'ai pas bien compris, il faut l'avoir là-bas, bifnim. Il rapporte une amécor d'une autre mara. D'accord. Mais on verra, que ce soit clair, il va le dire, cette idée-là, il va la dire clair. La gmara, elle n'a rien dit. Nous, on est dans le flou maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Je m'a dit non, mais ça veut dire quoi non? En fait, il y a deux drachim, ou bien tu le mets dans Malacha Gdola. Voilà, donc tout ce que je suis en train d'expliquer pour le moment, c'est selon la Girsa de Rashi, le pieu rouge de Rashi. On continue encore un peu de Gmara. Là, on est en train d'être marché sur le deuxième enseignement de Rabbi Lazar. Il a dit, il a fait le Shabbat. C'est-à-dire que cette malakha-là, tu l'as fait même pendant Shabbat. Demande à Gmanatanina. Mais ça aussi, on l'a enseigné. Ve'ayom Hamesh. Le jour de Kippour, il y en avait cinq. Donc, ça veut dire que même le jour de Kippour, on brûlait. Or, Kippour aussi, il y a le Issour de l'autre Eva Aloaj Bachal Moshvotechem. Et tu le fais quand même. Ouais. On brûle quand même. C'est bien cette malakha-là pendant Kippour. De la même manière que tu l'as fait pendant Kippour, tu l'as fait aussi pendant Shabbat. D'accord. Et donc, dit l'Agmara, quel est le hidush de nouveau de Rabbi Lazar? Amar Abaha Bar Yaakov Istarich. J'ai besoin. Quoi? Si j'avais que la Mishnah, je t'aurais dit qu'on parle dans le cas où Yom Kippour tombe Mosai Shabbat. Dans ce cas-là, étant donné que les korbanot de Shabbat peuvent être brûlés pendant Yom Kippour. D'accord? Alors, c'est pourquoi tu pourras faire aussi une maharacha le Kippour matin. Oui, pour les valim shinitot. Aval b'em sa Shabbat. Non. Mais si maintenant Kippour tombe en pleine semaine, d'accord? J'aurais dit, tu ne peux pas faire cette maharacha là. Voilà l'intervention de Rabbi Lazar. Je ne peux pas faire cette malakha-là pour les korbanot qui ont été faits la veille de Yom Kippour, qui eux ne repoussent pas Yom Kippour. Voilà l'intervention. Si je peux faire la malakha, d'accord, on verra après dans toute sorte, hein, je fais rapide là comme ça, on peut faire cette malakha-là même le jour de Kippour. De Kippour ou de Shabbat. Même le jour de Shabbat. Même le jour de Shabbat.
priori, ça voudrait dire pour le moment, les varim de vendredi, on pourrait les faire, chez Nitotro, on pourrait les faire pendant Shabbat. On verra qu'à priori, ça, c'est contredit par une de l'achat, et on fera ça quand on fera Tosfot. Quoi ? On continue encore un peu de Gemara. Amarava, manaï de l'orhaïch de kimhe. Qui est celui qui ne fait pas attention à sa farine ? C'est-à-dire, il mange la farine avec un peu de saleté. Ça veut dire que la réponse que tu as proposée, qui a été proposée, n'est pas bonne. Pourquoi ? Ah, bechol yom tnan. Mais c'est marqué dans la Mishnah. Bechol yom. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tous les jours, et donc Shabbat compris, on faisait cette ma'alakhala. Donc je te repose la question. À quoi ça sert, Rabbi Lazar, que tu es intervenu à Filo Béchabat, mais je le sais. Étant donné que c'est marqué dans la Mishnah, on faisait les quatre Maharachot, Bechol Yom, Bechol Yom, Pirouche, même Shabbat. C'est la Mashmaout Gam Shabbat. D'accord, Kouchia, Amral est resté, Bechouchia. Donc effectivement, on ne sait pas très bien à quoi ça sert que l'Abbé Lazar est intervenu, au moins pour Vafilo Béchabbat. Alors, ce n'est pas une grande Kouchia, parce que tu peux très bien répondre et bien mettre ce que l'Abbé Lazar veut dire par la suite. La Chine m'a expliqué par la suite la Chita de Ravna comme ça. Quand la Gemara a dit Bechouchia, c'est l'Av Shabbat, non Shabbat Bechlav. On ne parlait pas de Shabbat. Je peux être Dohé, d'accord. Donc ça, ce n'est pas une grande Kouchia. C'est pour ça que la Gemara a dit Kouchia. C'est tout pas du Kouchia. Conclut la Gemara, Opliga de Ravuna. Et ça, ça ne va pas dans le sens de Ravuna. De Amar, Hilato Dohé. Sofo eno dohe. L'enseignement de Bar Kappara ne va pas avec Ravuna. Ouais, ni avec celui de là-bas d'ailleurs. De Amar Trilato dohe. On va expliquer Trilato, c'est-à-dire le Corban lui-même. Dohe. Sofo. Comment on va expliquer Sofo? Pour brûler le ce qui reste. Voilà, Nitotro, Machin Nitotar. Eh bien, eno. Dohe. Regardez Rashi. Hilato dohe. Alors d'abord le Rashi d'avant. Opliga de Ravuna. Adbar kapara ve adrava. Ah, Mos, tu n'es pas du tout fatigué. Hein, là. Tu vas très très bien, Baruch Hashem. Hein. Tu manges bien, Baruch Hashem. Alors, Opliga de Ravuna. Adbar kapara ve adrava. De amal de kolyom de machitin davtao. Ravuna, ça va bechol yom le bal mi Shabbat. Ravuna, il pense tous les jours, mais pas Shabbat. Hilato dohe, regardez ce qu'il dit. Rashi, tamid shel Shabbat, nishhat bi Shabbat, le kalev bi Shabbat. Le tamid de Shabbat, on lui fait la chida Shabbat, on le proche pendant Shabbat. Sofo eno dohe, tamid shel erev Shabbat, c'est quoi Sofo? Le korban de vendredi. Ouais, on n'a pas eu le temps de brûler tous les membres, bien de finir de les brûler. Et là, malan mi baodjom. Mi baodjom, mi mi chitachar, non, sofo, et no, dohe. D'accord. Donc il n'est pas d'accord. Lui, effectivement, il pense que Bémet Shabbat, il n'y a pas de te faire filer Shabbat. On ne l'approche pas pendant Shabbat. Oui. Et donc, ça ne va pas avec Bar Kappara qui, lui, il a dit. À Filo Béchabat, on fait cette Medoura-là. On fait cette Maharakha-là. Et il n'est pas d'accord non plus avec Rava. Rava, il a dit, c'est marqué dans le Mishnah Becholiom, mon Rabbi Meir. Et Ravuna a dit, non, Becholiom, c'est Shabbat exclu. D'accord? Sinon, comment Ravuna, il est relâché sur Rabbi Meir? Non. Il te dit que Becholiom, Shabbat exclu. Donc, Ravuna, il est relâché. Et sur Rava, qu'il a dit que Becholiom, c'est-à-dire Filo Shabbat. Et sur Bar Kappara, qui a dit qu'on fait cette moudola là, le Shabbat, lui il dit que non, pas Shabbat. Point. Ça, c'est un premier volet dans la Gemara aujourd'hui. Tout à l'heure, il y aura un deuxième volet, puis il y aura trois volets aujourd'hui. Alors, on résume un petit peu ce qu'on a vu dans la Gemara. Rabbi Lazar nous a enseigné, selon la Gersa de Rashi, deux enseignements. Premier enseignement, c'est de nous dire que Evalim Shinitotro, tu leur fais une Maharakha le lendemain. Deuxième djinn, même si c'est Shabbat. La Gemara dit sur le premier djinn,
Je n'ai pas besoin de toi, c'est écrit dans la Mishnah. Et la Gemara a donné deux versions dans la réponse. Shalat ben Arur, Dafta Psulim, sur la première réponse. Deuxième réponse, Epsulin, Epapsulin, Dafta. Ouais, le feu, il les a pris. Mashla ben Arur. On fait une malacha pour eux, sinon non. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, sur le Vafilo Beshabbat. La Gemara a dit, mais ça, c'est enseigné dans la Mishnah aussi. C'est marqué Hamesh Medulot. La Gemara a répondu, en tant que réponse, tu n'as pas de preuve de la Mishnah, parce que j'aurais pu te dire qu'on parle d'un cas particulier dans la Mishnah, on parle de Yom Kippour qui a fait Shabbat. Ouais. Et la Gemara l'a repoussé, elle a repoussé cette idée-là, étant donné que c'est marqué Bechol Yom. Et donc, on est resté beaucoup chiant sur Bertapala, à ce sujet-là. Ravuna, il n'est pas d'accord ni avec le Bechol Yom de Rava, ni avec le djinn de Bertapala et Bichla. Et lui, il pense que Shabbat, on ne fait pas une medoula, une ma'alakha pour les Evalim Shinitot. Voilà, en résumé, la souvia. Alors, Rashi, deuxième ligne du hameau d'en haut, Achi Galsinan, Omer Aya Rabbi Meir, Evalé Ola Shinitot. Comme ça, il faut dire. Et pas quoi? Velo Galsinan, Ola Tchol. C'est-à-dire, Ola Tchol Shinitot. On dirait que selon Rashi, la Girsa aurait été Ola Tchol Shenitotru. Ose la Malacha Bishna Asman Sudran Bishabbat. Alors, de Igal Sinan Le Maitanina de Kaparichle Ata le Hashmoinan Shabbat. Voilà, elle pose la question. Rashi demande, c'est quoi la question de la Gemara? Quand la Gemara a posé la question, Maïka Mashmalan Tanina. Ouais, Bechol Yom. Ayusha Malba Malachot. Mais moi, je vais t'apprendre même Shabbat. Je te réponds. Moi, mon Hidouche, j'ai un Hidouche. Mon Hidouche, c'est quoi? C'est Shabbat, tu fais la Maracha. La Gemara pose la question, qu'est-ce que tu viens apprendre? Il est marqué Bechol Yom. Ouais, mais je vais te dire que Bechol Yom, ça c'est la semaine. Mais Shabbat, je vais t'apprendre Shabbat, moi. D'accord? Donc, je ne comprends pas la question de Gemara. Maïtanin a dit qu'à Paris, ah, t'as la Shmoinan Shabbat. Vim Tomalachi Paris, le Bechol Yom, t'as fait le Shabbat. Et si tu veux dire que la question de Gemara, quand on a dit Bechol Yom, la Kavana, c'est même Shabbat, il dit ça, la Gemara va la poser plus tard. Oui. La Gemara, elle va dire, Maï, une seconde, Maï Adar Paris, le. Bon, il faut faire des takana dans la chie ici. Mais la question, elle est, voilà, la Gemara va la poser cette question un peu plus tard. D'accord? Donc, ça, c'est la Girsa que Rashi veut exclure. Il veut exclure que je suis venu t'apprendre un seul enseignement. Non, je suis venu t'apprendre deux enseignements. Maintenant, il semblerait, quand on va faire tout saut, ouais, il semblerait, d'accord, les formes liata, je dis toujours, il faut être mayenne, sinon, que Bémet, soit tu comprennes comme cette girsa que Rashi ne veut pas. Que toute la girsa, que toute la Gemara, elle parle d'un seul hidouche qui a fait le Béchabat. Il semblerait. On va voir comment on va faire Tosfot. Vous allez voir, vous allez me dire ce que vous en pensez. Selon cette girsa-là, il faudra dire qu'au départ, la Gemara était marcha à partir de Bechol Yom, c'est-à-dire Mashma Afilu Shabbat. Et après, la Gemara a été de nouveau marché, ouais, à partir de Ayom Hamesh. Ayom Hamesh. D'accord. Et la Gemara a posé toujours la question sur Shabbat, mais en deux étapes. Première étape à partir du mot Bechol Yom, deuxième étape à partir du mot Hamesh. 5 malachot le jour de Kippour. Voilà comment il faudrait expliquer ce que ça là. Rashi ne la veut pas, mais on dirait que Tosfot, c'est comme ça qu'il pense. Ouais. Très bien. Alors là, on a un petit Tosfot à faire. Si, c'est pas le bon mot. Aval l'omash la ba'en urla. Donc, on est au début de la Gemara et on est en train de nous dire que
le tamé, si maintenant l'homme achat la houbre, ouais, eh bien, on ne fait pas une malacha. Les autres disent, lav dafka psulin, ou adina filoksherin. Vous voyez là ce que les autres sont en train de nous faire là? On ne comprend pas a priori ce que les autres disent. Pourquoi? Parce que nous, on a dit, la première version, elle pense Davkatmein, et la deuxième version, Davkatmein, Machal, oui, sinon non. Par contre, Théorin, Machal ou non Machal, c'est la même chose. On fait une Malacha. Deuxième version, même les Taor, il faut Machal pour faire une Malacha. Et de soit, il casse tout. De soit, il casse tout. Sur la première version, de soit, ils disent Lav Davka. Dav dav kapsulino. Ou adjina filoksherin. Et l'homme a chlabaina ou. Non. Même les ksherin, si maintenant le feu ne les a pas pris, tu ne peux pas. Pourquoi tu dis ça? Dirka amar olat shabbat be shabbat. Ovelo olat hol be shabbat. Et là, moi, je demande à tout le monde, qui t'a parlé de shabbat? Qui t'a parlé de shabbat? Pour le moment, si la girsa est comme Rashi, ouais. Il y a deux dinim. Le premier, c'est le Chol. Le deuxième, c'est Shabbat. Pourquoi tu me parles de... Pourquoi tu me parles de Shabbat? Et c'est pourquoi... À cause de Shabbat. Toi-même, tu as dit, il y a Shabbat. Je te parle pour ça de Shabbat. Hein? Toi-même, tu as dit, il y a Chol et il y a Shabbat. Voilà. Maintenant, l'Agmara, elle parlait pour le moment dans le premier volet de l'Agmara. Elle parlait de Chol, n'est-ce pas? Oui. Donc, pourquoi tu m'embêtes en me disant, non, tu sais, hein, même les Ksherim. Si maintenant l'homme a chalbain, oh là, toi, tu as envie de dire, soit il est dans le deuxième volet. Dans le deuxième volet, ouais. Il prend la Stefa pour comprendre la Richa. Non, mais pourquoi Attends. De quel droit, soit ils disent, quand je te dis l'homme a chalbain à Olo, dans le premier Lachon, ils disent la Dafra. Quand Dafra. Ah, quel est le din Shabbat? Ok, Shabbat, ça va être ceci et cela, Bessèdre. Aval Davka. Pour le Chol, c'est Davka. Ouais, qu'est-ce que tu veux, moi? Alors, comment tu le lis? Lis-moi le. L'Agmara? Mais comme ça, on a compris l'Agmara. L'Agmara, comment on l'a comprise, non? L'Epsoulin, le premier Lachon, il dit. L'Epsoulin, si Machal Baena Ur, tu peux faire une Maharacha. Si l'on Machal, tu ne peux pas faire une Maharacha. Par contre, les théories, même si l'on Machal, on en déduit les théories. Même si l'homme a chal ba'enahor, tu peux faire une maracha. Le deuxième, la chan, il ne fait pas de hilokim. Et oui. Taor, et pas soul, et pas pas soul. Machal, tu peux faire une maracha. L'homme a chal, tu ne peux pas faire une maracha. La maracha, c'est clair. Donc, soit tu dis non, même le premier, la chan, il est d'accord avec le deuxième, la chan. Oh, oh. Pourquoi tu dis ça? J'ai l'enseignement de Bar Kappara. Bar Kappara, Omer, Ayar, Rabbi Meir, Ivré, Ola, Chinit, Toteru, Osela, et maracha, Bisne, Asma. Les Soudran à Filou Béchabat. Donc je comprends que tout ce que je t'ai dit, la Maracha, Bifne Asma, etc., c'est Béchabat aussi. Je n'ai pas d'autres idées. Je ne peux pas dire, non, ça je t'ai dit Béchol, et l'autre c'est Béchabat. Donc il y a deux dinim, quatre, tu fais une Maracha, la Filou Béchabat. C'est deux dinim, on est d'accord. D'accord, mais malgré tout, tu comprends bien que je fais une Maracha Shabbat. Et donc ce que je vais rentrer dedans, c'est là où tout saute, il intervient en te disant tu ne peux pas rentrer des rôles, parce que si tu rends du rôle, eh ben, tu as le problème de relève Shabbat de Shabbat. Ça, c'est pour ça que pour Shabbat. Mais ne me dis pas la Dafa. Ce que je te dis, moi, c'est Dafa. Par contre, si on dit, c'est une proposition à 100%, si par contre. Ils ont que comme la première, comme la version que la Chine ne veut pas. C'est bon. Tout le din de l'Agmara, il n'est que Shabbat. Alors là, tout ça, tu parles bien. J'ai une kushia. Si j'explique comme moi, j'ai compris, j'ai une kushia. À cause de Rolat Shabbat Béchabato. Et donc, je vais devoir te dire, le vendredi, le korban de vendredi, tu ne peux pas faire si. Afil ou tahor, il n'y a aucun problème, il n'est pas pasoul. Le reste, machini total. Si l'homme a Shabbat Nahor, tu ne peux pas l'approcher pendant Shabbat, tu se marquer Rolat Shabbat. Et Shabbatov, velo la troll,
Béchabat. Donc, je vais devoir maintenant te dire que Ouadine, Lavdaf Tapsulin, Ouadine, Kshérim. Là, je comprends. D'accord? Oui, OK. c'est-à-dire, c'est ça que tu as dit, c'est-à-dire, selon la version de Rashi, il est bonne, la Gemara, la Roussia de la Il n'y Gemara. a pas de, pas la question. Les deux Lechonot, on les comprend. On comprend bien la différence entre les deux C'est Lechonot. Dafka. D'accord. Selon Tosfot, il dit la Côte d'Or, la Shabbat, le Shabbat. Ça, c'est un problème dans le Shabbat. Mais la semaine, la semaine. La semaine, il y a une différence. Qu'est-ce qui m'embête? Non, ils ne veulent pas. On dirait pourquoi ils ne veulent pas. On dirait qu'ils ne comprennent pas comme ça. Ils comprennent comme, parce qu'ils sont Gorsim, comme la Gersa que je vous ai dit, de la que la Chine ne veut pas. Au Maxime, bah maintenant je continue Tosfot. Peu importe qu'on dise comme ça, finalement Tosfot vient à nous dire, Lav Davka, le premier Lachon aussi pense, Machal Aour, tu fais une malacha, le Machal, tu fais pas. Au Maxime, Veha, Marbe Berkama, Deb Shabbat, Deb Shabbat, Bechol, Mouzotechem, Le Mishre, Evalim, Oudarim, Oudata. Tosfot, il faut avoir une kushia. On a une marade de Mafia Shabbat qui nous dit, Moi, je voterai qu'il n'y a pas le droit d'allumer le feu. Mais si c'est dans le Beth Amirdash, tu peux. Et donc, de là, on apprend les Mishrei Eva, les Mubdarim. On peut brûler les membres et les graisses. Et Tosfot demande de quoi on parle? Les membres et les graisses de quoi? De quoi tu parles? Les membres et les graisses, on peut les brûler pendant le Shabbat, mais lesquels membres et graisses? Alors, Tosfot, ils disent, a priori, A priori, on parle des membres des graisses de vendredi, des Ish el Shabbat. Parce que si c'est les membres des graisses de Shabbat, j'ai pas besoin de passeport pour ça, c'est déjà marqué par ailleurs. Oh là, Shabbat, be Shabbat, oh, le Shabbat, tu peux le faire pendant le Shabbat. Donc, je parle des membres de vendredi. D'accord? Donc, je parlerai des membres de vendredi. Et donc, voilà, je ne comprends pas. Je comprends pas. En haut, j'étais conclu. Velor la troll Béchabat. Donc, on est en train de se contredire. Velor la troll Béchabat. Comment on fait avec ça? Voilà la question de Tosfot. Moi, je voulais répondre. Mais Tosfot, ils ne veulent pas répondre comme ça. Je voulais répondre, bah, ça dépend. S'ils sont tamés ou sont tahors. S'ils sont tamés, alors non. Voilà, Shabbat, Béchabato, voilà, la troll, Béchabat. Mais s'ils sont tahors, alors, Evarim ou Bdarim, tu peux les brûler pendant Shabbat. Même ceux de vendredi. Comme ça, je voulais répondre, mais personne ne veut répondre comme ça. J'ai vu un Tosfot Yeshanim en bas, ici, qu'il dit qu'a priori, il n'y a pas de hilo contre tamé ou tahors. D'accord? Si, pour Shabbat, si c'est autorisé, c'est autorisé les deux. Si c'est pas autorisé, les deux ne sont pas autorisés. Comme ça, il n'y a pas de trilogue au sujet de Tamé Tahor pour Shabbat. D'accord? Si tu es autorisé de brûler pendant Shabbat, peu importe Tamé Tahor. Si tu n'es pas autorisé, peu importe Tamé Tahor. Bon, j'aurais quand même essayé. Donc, à la question que Tosfot vient de poser, Tosfot vont faire trois mahalakhim. Un de l'Arporat, un de Ri et de Riva, et un de Tosfot lui-même, c'est-à-dire Mahalam. D'accord? Trois façons de répondre. La première façon de répondre, celle de Rabbeinu Porat, Tosfot, il va, enfin, Ri, il va être marché dessus. Mais Tosfot, il va proposer une défense. Après, il y aura la réponse de Ri Porat, de Ri et de Riva. Et après, il y aura la proposition de Tosfot pour répondre à la question. Donc, je répète. La question de départ, c'est Olat Shabbat Bishabbato. Oui. La Olat Shabbat, j'autorise pendant Shabbat. Et j'exclus par là Velo Olat Chol Bishabbat. Velo Olat Chol Bishabbat. Donc, vendredi, tu n'as pas le droit. Et de l'autre côté, je te dis Bechol Moshvotechem. Afilo Bdarim Evarim ou Bdarim. Tu as le droit de le faire. D'accord? Et a priori, on parlerait de ceux de vendredi, de ceux de Shabbat, on a le Shabbat de Shabbat, bien sûr que j'ai le droit. Alors, on y va. Mais tu restes à Rabbi Yosef, Rabbi Yosef, pour Adassal.
Tel Mishre Bari Mubdari Mayimu Shel Shabbat Dei Meolat Shabbat Bishabbato Ayi Mayri Bishita Uzriqa. Allez, Hidush. C'est Le'olam quand je dis Bechol Moshvotechem que je t'ai autorisé Bari Mubdari je t'ai autorisé de brûler le Korban de Shabbat. Ah, tu as mis un message, je le sais déjà, c'est marqué Olat Shabbat Beshabbato. Non, de Olat Shabbat Beshabbato, je n'aurais autorisé que la Shrita et la Zrika, qui eux, c'est le Ikar à Korban. D'accord? La Zrika Tadam, c'est elle le Ikar. Donc, il faut faire la Shrita avant. Shrita Zrika, Vezeu. Vient le pasour Bechol Mojotechem pour m'autoriser même de brûler les membres de Shabbat. Mais l'air Olam, ceux de vendredi, tu ne peux pas les brûler pendant Shabbat. Voilà la réponse de la Forat. C'est bon? Il n'y a pas de chien pour le moment. Velon Hir Aleri. Il dit, ça ne me plaît pas. Dimken. Echi Gamrin Almine, Bepedek, Eluk Sharim, Dehalve Shabbat, Trevim, Beyom Tov. On apprend du pasouk Olat Shabbat de Shabbato. Ouais. On apprend que, répétons, que le pasouk Olat Shabbat de Shabbato, selon Rav Porat, il parle de quoi? Shita Zrika. Alors il dit, je ne comprends pas. Comment la Gemara dans Shabbat, elle apprend de ce pasouk-là, Halve Shabbat, Krevin Beyom Tov, Beyom Kippurim, selon les Diarot, les graisses de Shabbat, on peut les approcher pendant Yom Tov ou Yom Kippur. Voilà. Peu importe comment on a fait le limoud. Mais on apprend ça de ce passage. Voilà, Shabbat Beshabbato. Attends, je ne comprends pas là. Le passage. Qu'est-ce que tu parles de Yom Tov, Helve Shabbat, Levim Yom Tov, Yom Kippurim. Ikra, Bishchita, Ozrika, Airi. Si le passage qui parle de la Shchita, Atou, Korban Shabbat, Nishchat, Yom Tov, ou Yom Kippurim. Olat Shabbat, tu le fais pendant Shabbat. Et aussi pendant Yom Tov. Et aussi pendant Yom Kippour. Ça veut dire quoi? Olat Shabbat, tu le fais pendant Yom Kippour? Dimanche? Tu le fais pendant dimanche Yom Tov? Et là, Al-Kol Hech, Aftarat Tamid et Shabbat, Darshinan, Goufet Ikra. Obligé de dire qu'on ne parle pas de la Shrita Drika. On parle de brûler le Korban Tamid lui-même. Que si je ne l'ai pas fait pendant Shabbat, et Suisse, Shabbat, le jour de Kippour ou le jour de Yom Tov, tu peux le faire là, la Akhtara, tu peux la faire pendant ou Yom Tov ou Yom Kippour, selon le Dérot. Et dès d'acheter le père que le Dvarim, Olat Shabbat, alors Olat Tamid, Miklal, de Tamid, de Hei Shabbat. Donc, Sahim, on dit Olat Shabbat, Olat Shabbat, de Shabbato, alors Olat Tamid, Veniska, Olat Shabbat, alors Olat Tamid, Miklal, de Tamid, de Hei Shabbat. De là, je vois que le Korban Tamid, la Gemara a dit, elle est d'Ohé Shabbat, comme l'Ola de Shabbat. Au Mistama, Bechol, il faut dire Akravotam, Tama. Tu peux faire ce que tu veux. Afilou l'Akrava, Zrika, Shrita, Akrava, Aptara, au Mitura de Beshabbato, et du mot Ola de Shabbat, Beshabbato. Darshinan, Helvé Shabbat, Revin Beyom Tov. J'apprends de là, Helvé Shabbat, on les approche pendant Yom Tov, ou Yom Kippour. Les Morkedit, les poids. Mais Kitsour, la question de Riel est tu ne peux pas me dire que Olat Shabbat, on parle de Zrika, parce que sinon, ça ne veut rien dire qu'on l'approche pendant Kippour, ou on l'approche pendant Yom Tov lorsque c'est dimanche. Olat Shabbat, tu le fais pendant Shabbat. D'accord? La Shrita, tu le fais pendant Shabbat, pas pendant. La Ola de Shabbat, tu ne le fais pas dimanche. D'accord? Voilà ce qui dérange. Alors, à cause de ça, je réponds autrement à la question de départ. Elanir Aliriba, Ulri, Adiamal Velo la Tchol Bishabbat, Ayinu Belo Mashla Baen Ur, Ud el Mishre Varim Ubdarim Ud Ata, Be Mashla. Quoi? Alors, il répond simplement. Répétons la question de départ. C'est marqué d'un côté, Olat Shabbat Beshabbato, Velo Olat Chol Beshabbat.
Donc vendredi, ça marche. Vendredi, on ne peut pas brûler pendant Shabbat. Le korban de vendredi. De l'autre côté, tu as un peu comme je t'ai Shabbat. Je te réponds. Si Machal Benao, le feu, il l'a pris, alors tu pourras faire une médoula, tu pourras le brûler pendant Shabbat. Ça, c'est Bechol Mojotechem. On apprend ça de Mojotechem. Par contre, si le feu n'a pas pris le membre, d'accord, c'est pas l'Armochel Misbeach, et donc, tu ne peux pas le brûler pendant Shabbat. Point. Si c'est l'Armochel Misbeach, oui, sinon non. Voilà comment je réponds à la stila entre les deux psukim. Vemken. On continue. Adika Amar, Achal, Lishna Kama, Dauta, Mashla Baena, Ur, Vedauta Psulin, Avakshrimla. Ce que dans le Lishna Kama, on a dit, que, il faut Mashal Baena, Ur, quand c'est tamé, hein, quand c'est tamé, il faut Mashal Baena, Ur. L'Oba, elle est mémar, Avakshrim. Je ne veux pas te dire, si c'est Kacher et le Mashal Baena, Ur, tu peux brûler. Pas du tout, selon la réponse qu'on vient de donner. Même Kacher. L'homme à Chalao, tu ne peux pas le brûler pendant Shabbat. D'accord ? Avak Shéli, ma fille, l'homme à Chalao, tu ne peux pas dire ça. Et la Rikaam. Maintenant, on va expliquer pourquoi le premier Lachon, il a parlé que du Pasoul. Parce que le dîme est vrai même dans le non-Pasoul. Et la Rikaam. Avak Shéli, m'lo istarich le memar de Shari, echa de Mashla Baenao. Non, je voulais te prendre une chose. C'est sûr, et ça, on ne discute pas qu'il faut Mashal Baenaour, hein, c'est sûr. Hein. Sinon, on a Shabbat Béchabatoa, alors on a trois Béchabat, c'est sûr, ça. Je voulais t'apprendre que si même le Korban, les Varim, ils sont psoulim, quand même, si Mashal Baenaour, quand même, tu peux faire une Maharacha pour ça. C'est ça ce que je voulais t'apprendre. אבל כשרים לא יסתלח, נוק יסתלח לממר, דשארי אחד במה שבנו הרומי, או אפילו לשני חמה, לא שארי אפילו בקשרים, אלא במה שבנו דווקא. בוא כמובן, סמכו. איסה שפולי, לפרונדר דמור עולת שבת בשבתו? וואלה. יש למה לרפוס? זה זה רפונדר, זה דו תקספיקי כעולת שבת בשבתו, אבל לא עולת חול בשבת, זה פעל לא משל בין האור, פעם פה כאשר הוא פסול. Ah, comment je suis avec la Gemara chez nous qui a parlé que de Pasoul, Mashal Baenaour? Non, ou Adin Kacher, mais ça, j'ai pas besoin de t'enseigner que si les Kacher et Mashal Baenaour, que tu peux le brûler pendant oui. Shabbat, le Hidouche, il est ici, les Pasoul et Mashal Baenaour, tu peux quand même le brûler, faire une maracha pour lui. Bon, Aval Sedahouk, et le deuxième Lachon, il dit quoi? Ah, mais mettre au soit par la suite, il va être marché. D'accord? Omiou. Qu'est-ce qu'il veut maintenant tout Tosfot? Il veut défendre la chita de Rav Porat, de la kushia de Ri. Voilà ce qu'il veut. Omiou, yecholni liyashem, shelo yekshel le pirush à Rav Porat. Devadai, ilo avaktav kra, de lo tevaru, de mishre evarim ou bdarim. Admettons que je n'avais pas écrit le pasuk, lo tevaru, je brûle le même Shabbat. De là, j'ai appris le heter de brûler les Evarim Ubdarim. Admettons, je n'ai pas écrit ce passage-là. Effectivement, eh bien, Mikra de Olat Shabbat de Shabbato, lo awa darshinan elashrita ozrika de miracle. J'aurais été d'oresh le passage de Olat Shabbat de Shabbato. Tu sais, le Olat Shabbat, tu peux le faire pendant Shabbat. Quoi? Tu vas transgresser Shabbat et tout? Oui, mais bien évidemment, j'aurais restreint à tout ce qui est obligatoire. Comme la Shrita, la Zrika. Et je m'arrêterai là. Des Me'akve, eux, ils sont Me'akev. Aval Akhtara, l'eau. Tu vois, des Yocholim, les Amtina, Dalaïla. Tu peux attendre pour faire l'Akhtara, bon, ça y est Shabbat, n'est-ce pas? Alors, tu ne la fais pas pendant Shabbat. Même si c'est écrit là, Shabbat, mais Shabbato, j'aurais restreint ça à Shrita, Zrika. Va dire, tu vois, là, Shabbat, mais Shabbato, à Wadar Shinan, les Achi. אם נאנסו ולא שחטו תמיד של שבת, ישחטו אותו ביום הכיפורים, ולמול ביום טוב. אחד אחד יום הכיפורים או יום טוב, אחר השבת. עולה יפה עם הקוד פורס. וזה כבר לימוד בשבתו.
Voilà, Shabbat, Béchabato. Que de là, on a appris, tu peux l'approcher pendant Yom Kippour ou tu peux l'approcher pendant Yom Tov, selon le mandamar. Quoi, Shrita, Zrika, ça c'est l'approche de l'Ibémet. Oui. Oui, je l'aurais expliqué le passage. Si maintenant, tu n'as pas pu faire le relat Shabbat pendant Shabbat, tu as eu un holes quelconque, eh bien, tu pourras le faire pendant Yom Kippour, quand c'est dimanche. Ou Yom Tov, si c'est dimanche. J'aurais expliqué le passage de cette manière-là. Tout ça, c'est si j'ai pas le chol mojvotechem. Avalbata de nafkalan milotevaru esh le mishne evarim obdarim betamit shel Shabbat. Mais maintenant que grâce au passage de chol mojvotechem, je t'ai autorisé de brûler evarim obdarim Shabbat, mais ashta mokmin en kara de olat Shabbat de Shabbat. Là, je vais utiliser le pasuk même pour Evarim Ubdarim, le pasuk de Olat Shabbat Beshabbato, même pour Evarim Ubdarim. Et donc, je pourrais les brûler, Mosai Beshabbato, ou Mosai Shabbat qui est ou Yom Kippour, ou Yom Tov, d'accord? Dehel Beshabbat, Trevim Beyom Kippourim, ou Beyom Tov, le Molke Deitle, le Molke Deitle. Voilà comment il a proposé de répondre, je pense un peu différent. À la question de Ri. Maintenant, tout ce qu'ils disent, que ce soit le pirouge de Rivari ou que ce soit le pirouge de Raforat, comme moi j'étais Meyachev Oto. Quoi qu'il en soit, le Sarih Loma, le pirouge chaud, Kemoken, des modéo, des filo de Hol, Shari Beshabbat, et Khadi Mashla Benahour, Ked Mashma Beshmatin, les Kuleal. Il faudra dire aussi que quand on a dit dans la Gemara chez nous qu'on peut l'approcher, celui de vendredi, on peut l'approcher Shabbat, il faudra dire qu'on parle de ce que le feu a pris, maintenant c'est l'armoche et le misbéar. Sinon, non. Donc, même tu peux m'expliquer une phrase dans la défense qu'il a fait de Rav Porat. Il dit... Donc, ça veut dire qu'on peut brûler les Evarim Ubdarim, même les Shabbat. D'accord ? Où tu es ? Répète-moi où tu es. Je suis dans la défense de Rav Porat. J'écoute. Donc, il dit Melotebaru, les Mishre, Evarim Ubdarim, Betamit Shabbat, Meashta, Mokminankra, les Olat Shabbat, les Shabbato, Af les Evarim Ubdarim. L'Oma, c'est bon Shabbat. Ça, c'est bon, est-ce que c'est bon? C'est bon, ça veut dire que Shabbat, je peux brûler et je peux tout faire. Et Mimela, quand je vais te dire Beshabbato, un filo Yom Kippour ou Yom Tov, quand ils sont Mosé Shabbat, ça veut dire Eva, les Mubdarim. Alors c'est ça que. Si et j'ai plus besoin de faire le Doha que j'ai fait au début. Le Doha que j'ai fait au début, si tu n'as pas eu la possibilité de faire le Korban Shabbat, tu le fais pendant Kippour dimanche. Ça y est, je le saute. Je saute, je le fais directement Shabbat. Là, non, d'accord. Je le saute, c'est pas pour ça qu'il est venu le pasuk. Le pasuk, il est venu pour me dire les Evarim Obdarim de Shabbat, je peux les faire pendant Yom Kippour qui est dimanche. Mais qu'est-ce que je gagne à dire que je vais les faire pendant Yom Kippour dimanche? Je peux les faire Shabbat lui-même. Oui, mais si j'ai pas pu les faire Shabbat lui-même, je peux les faire Mosé Shabbat. Ben, si c'est Mosé Shabbat. Si Mosé Shabbat, c'est Yom Tov ou Kippour. Ça mais pas pourri. Shema Mina Beshabbat, tant que tu peux. D'accord. Très bien. Olcha la piroshim, nira li dohak. Shanu srichim lefarel lishna kama de achad de kama lo nisrecha lepsulin, lepsulin de nakat lav davka, ve uadin ksherim, el adit bksherim lo yistarich la shmoina. Bon, il dit le pirosh 1 ou le pirosh 2, les deux c'est dahouk. Celui de la Porat ou celui de Ri et Riva, c'est Dahouk. Finalement, la Gemara a dit qu'on parle d'Epsolim. Et non, en fait, même Iksherim, c'est la même chose. En fait, comme l'Ishna Batra. C'est un peu étonnant. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu proposes, toi? T'en sautes. Alors, on y va. Venir à l'île. Ya, ya, mal, velo, la troll, be Shabbat. Velo, la troll, be Yom Tov. Aïno, Belel Shabbat ou Belel Yom Tov. Moi, je t'explique autrement.
Quand la Torah elle t'a dit Olat Shabbat Beshabbato, velo Olat Chol Beshabbat, toi jusqu'à présent tu as compris, il y a zéro Olat du Chol qu'on approche Shabbat, c'est pas vraiment comme ça. Et par Olat Chol, la nuit de Shabbat, ou bien la nuit de Yom Tov. D'accord? Prenons la nuit de Shabbat. Le Olat Chol, pas la nuit de Shabbat. Shabbat, on ne fait rien du tout, on ne brûle rien du tout. On ne fait pas de Chol Banot, quoi. Pas de Shritot. ולא לתחול בשבת, היינו בליל שבת. דלא ניתנו שבת ויום טוב לדחות באו שעתה. En période de nuit, vendredi soir, שבת n'a pas été donné pour être nidha. Et c'est le שום קורבן, c'est aucun קורבן. ועד אמר למשתלי איברים מוגדרים, ודעתה, et quand on a dit, בכל מיותיכם, ça vient inclure, איברים מוגדרים, יקלוך מטרה לתמיסטבר. J'accomplis le pasouk là où c'est logique. La Torah l'a dit à Hachamim, regardez là où c'est logique d'appliquer. Da'inu, samouk la boker, c'est-à-dire proche au matin. Tadder ma'aracha, quand il va faire la ma'aracha de Yumé. Comme le jour de Shabbat matin, on va faire des ma'arachot et on va brûler. Et là, la Torah t'a dit, vas-y, brûle. Donc, le matin, il a été donné pour être brûlé. Là, je vais profiter pour brûler les korbanot de vendredi. Dekiwan, de belavachim avayresh amaracha, le solert midin de yuma, amrinan, dekra, de lotevaru, de chol melotechem via mashabat, oui. Atan, mishre, varim, obdarim, de chol, chenitotru. Va filo lomashla, baena ou ksheri. Même si maintenant, le feu n'arrête pas, ne les a pas pris, selon le Lishna Kama. Psoline, par contre, les psolines, les mashlabainao, dafta, ou les cas des amres, selon la deuxième version, et had kshera ve had psula, c'est-à-dire que le membre, il est caché au pasoul, dafta mashlabainao, ve had yamar, halve shabbat krevim, ve yomakipurim, ou biomtov. Aïenu, un filo bithilat alaina, quand on a dit qu'on peut les approcher, alors c'est pas ridou si c'est le matin, non, même la nuit. D'accord? Un filo bithilat alaina ma'alan martilan machinken ba'olat hol biyama kipurim yom tov. Parce que finalement, de toute façon, il a été mehadesh, mais même l'olat hol, tu peux l'approcher pendant Shabbat, matin. Alors c'est quoi le ridou que je peux l'approcher Motsaï Shabbat? Je peux l'approcher Motsaï Shabbat la nuit de Motsaï Shabbat. Voilà le pirouche. De Tosfot. Très bien. On peut continuer la Gemara? Bien sûr. Seconde, je réfléchis une minute sur un point. S'il y a un Mishmerot Kona, il faut bien le travailler. Je préfère donc ne rien dire. Il faut bien le travailler pour bien le sortir. Il y a un Mishmerot Kona sur ce Tosfot. Ok, on continue la Gemara. Goufa. Amar Avuna. Tamid. Hilato Dohe. Sofo Eno Dohe. Ravuna a dit le Tamid. Hilato. Hilato. Il repousse. On a expliqué au départ Nishhad Bishabbat, Bekradev Bishabbat, Sofo et Nodohé. C'est quoi Sofo et Nodohé? On a expliqué tout à l'heure que la Kavana c'était En Evara ou Neptarin, le combat du vendredi, on ne peut pas le brûler pendant Shabbat. Selon la Vuna. Alors, on ne peut pas faire une Maharacha pour les Evarim de vendredi. Donc, vous faites mal à vous, tamit, et à toi, dohe, sofo, et no dohe. La Gemara pose la question, maï, et no dohe. Mahlokt. Rav Hasda, Amar, dohe ta Shabbat, ve no dohe ta Touma. Julie, après, on reprend. Voilà, Bahamar, Dohaita Touma, Veno Dohaita Shabbat. Point.
Alors, ici, là... Excuse-moi, mais... J'écoute. J'ai pas suivi depuis le début, mais vous êtes où, là? On est Daf Memvav, Amoud Rishon. Presque la fin. 8 lignes avant la fin du Amoud. Merci. Donc, je recommence. Goufa. Amar avuna tamit hilato dohe sofo lo dohe. Demande à Gmara amai eno dohe. La phrase amar dohe et ta shabbat veno dohe ta tum'a. Donc, la phrase a dit la kavana de l'avuna, c'est comme ça. Le korban, il est 8 dohe shabbat. Comme on vient de dire, on dirait. Par contre, eno dohe ta tum'a. Il n'est pas dohe la tum'a. Par contre, Rava, il dit à l'envers, Rabba, pardon, il faut dire, il dit à l'envers. Doheta tuma veno doheta shabbat. Bon, alors, ce n'est pas clair ce qu'on est en train de dire. On va voir Rashi. Rashi propose deux drachim pour expliquer la sugya. Il préfère le premier. D'accord? On va faire, nous, on va faire les deux drachim. Mais toutefois, si vous préférez le deuxième. D'accord? D'habitude. Alors. Ici, on va expliquer que ça veut dire trilato et que ça veut dire sofo. Le premier derrière de Rashi, qui pour lui c'est le Iqar, trilato égale shita ou zrika. Sofo c'est quoi? Aktarat evarim. Ça c'est le premier derrière de Rashi. Le deuxième derrière de Rashi, et c'est ce que va penser Eri, trilato. Ça veut dire Aktarat Evarim au début. Tu brûles les membres au début. Et Sofo, c'est Evarim Shinitot Rumi Barerev. Les membres qui restent de la veille. C'est clair? Voilà les deux explications. Alors, on va d'abord choisir la première explication de Rashi. On va expliquer la Gemara de cette manière-là, puisque pour lui, Rashi, c'est ça le état. Et puis, quand on fera Tosot, on fera la deuxième façon. Alors, je reprends maintenant la Gemara. Rav Hasda Amar, Dohe ta Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? Toujours, c'est Dohe Shabbat. Sofo, c'est quoi Sofo? De quoi on parle là? La Gemara. C'est quoi de quoi on parle? C'est quoi de Réchabat? Non, je sais. Non, c'est quoi qui... de quoi il parle quand il dit de Réchabat? Le Corban? Ah, ouais. Ok, d'accord. Non, j'ai... Alors, Sofo et Nodohé, la Gemara a dit c'est quoi Sofo et Nodohé? Dit la Fresda. Shabbat, Dohé, Shabbat. Sofo, donc on va expliquer comme le premier pirouche. Aktarat et Varim, c'est Dohé Shabbat. Aktarat et Varim, c'est Dohé Shabbat. Oui. Par contre, s'ils sont tamés, ce n'est pas doré. C'est ça, et le doré. Et le doré, tatouma. C'est bon? Trilato, c'est doré. Ouais. Mais sofo, c'est pas doré. C'est pas doré quoi? La touma, c'est pas doré. Shabbat, c'est doré. Aktarat Evarim, Shabbat, c'est Dohé, mais si c'est Tamé, tu ne peux pas. Voilà le plus rouge de la Fresda. Comment elle vient la Touma là? Quelque chose qui a touché le membre. Le Corban. Après qu'on a fait la Shrita. Okay. Très bien. Rabba lui dit non. Quand Ravuna il a dit le Dohé, c'est quoi le Dohé? Et notre Hait à Shabbat. Ça ne repousse pas le Shabbat. C'est quoi la Kavana? Aktarat Evarim ne repousse pas le Shabbat. Aktarat Evarim ne repousse pas le Shabbat. Vous entendez hein, ce qu'on est en train de dire? Aktarat Evarim ne repousse pas le Shabbat. Par contre, si c'est Tamé, l'Olam c'est Dohé. D'accord. De quoi on parle de tamé? Le tamé du vendredi, le tamé du samedi, le tamé de quoi? Pour le moment, je vais te dire de Shabbat, on verra après. Pour le moment, je dis de Shabbat. Je dis Shabbat, que ce n'est pas doré.
Bah, là aussi, c'est comme un terrain tévarim. Ça va être une des couchables que tout ça, tu vas lui poser à Rachid. Une des couchables que tout ça, tu vas poser à Rachid, c'est celle-là. Bon, non, c'est possible que Rachid ne comprend pas comme ça. On va voir un petit peu, on attend. Hein. Rachid, là, il dit rien. Chez nous, il nous dit rien du tout. Ouais. D'accord. Maintenant, c'est possible que la chie comprend. Quand je te dis Sofo et Nodohé, en fait, il parlait du Corban de vendredi. D'accord. Aktarat Evarim du vendredi. Aktarat Evarim. Alors, c'est bizarre. La Shrita, il parlait de Shabbat. Et l'Aktarat Evarim, finalement, il parle de vendredi. D'accord. Bon. Alors. Pour le moment, on laisse comme ça flou, on verra. Amal le Abaye, le Rabba. Le Didar Kouchia, ou la Fazdar Kouchia. Vous deux, vous avez une Kouchia. Pourquoi? Le Didar Kouchia, Majna Touma, toi, j'ai une Kouchia contre toi. Pourquoi? Pourquoi Touma, tu penses que Ravuna pense que ce n'est pas Doré? Pardon, c'est lui Doré. On peut le faire. Bien que c'est ta mère, on peut le faire pendant Shabbat. Pourquoi? Pourquoi tu penses qu'on peut faire? Parce que c'est marqué Bemorado. Dire-t-il Bemorado. Et donc j'apprends de là à Philo Betouma en son temps, même si c'est ta mère, même si le Corban est ta mère. Shabbat, Nami. Bemorado. Va à Philo Bechabbat. Alors même Shabbat, oui, étant donné que c'est écrit Bemorado. C'est-à-dire, encore une fois, reprenons. Rabba, il a dit quoi? Rabba, il a dit que quand Evarim ou Bdarim, ils sont, l'Akhtarat d'Evarim, je ne sais pas, ils sont tamés, c'est pas grave, on peut les approcher. Quand on parle de Hol, pendant le Hol, tu peux le faire, je m'en fiche. Je fais une Maharakha avec les Asma, etc. Il n'y a pas de problème, une Maharakha. Par contre, si c'est Shabbat, ce n'est pas Dohé Shabbat. Tarat Evarim, Obdarim, ce n'est pas Dohé Shabbat. Mais c'est Dohé Latouma. C'est-à-dire, si en semaine, c'est Tamé, eh bien, tu peux faire quand même l'Aktara. Il dit, je ne comprends pas. Pourquoi l'Aktara, tu peux la faire en semaine? Parce que c'est marqué Bemorado. Alors, même Shabbat, c'est marqué Bemorado. OK. On a la phrase d'Artachia. Maïshna Shabbat, Dirchib et Moado, la phrase aussi. Pourquoi il te dit que Shabbat, l'Olam, c'est Dohé? Ça veut dire Aktarat Evarim, c'est Dohé Shabbat. Parce que c'est marqué Bemoado, Afilobe Shabbat. Touma, un ami. Alors, même si c'est tamé, on est en semaine et le Evarim, ils sont tamés, je devrais pouvoir les brûler. C'est marqué Bemoado, Afilobe Akta, Betouma. Autrement dit, de quel droit vous faites un Hilouk? Toi, Rabba et Rafda, entre Touma et Shabbat. Ou comme ça, de quel droit vous faites un Hilouk? Amalé, Rabba lui répond, Lole Didi Kashia, Lole Rafda Kashia. Ni moi, j'ai une Kushia, ni Rafda, il a une Kushia. On commence par qui? On commence par moi. Le Didi la Kashia, Sofo Kitrilato. La fin comme le début. Voilà, répétons. Rabba, il pense quoi? Il pense Touma, c'est Vidohé. D'accord? Par contre, Shabbat, non. Alors, les Didi Lakashia. Pourquoi? Sofo Kitrilato. La fin comme le début. Touma, Detrilato, Bar Mitha. Touma. Alors, Touma de Trilato Bar Mitha. Rachid dit, Ma Trilato Bar Mitha Touma. Im en Kohen Taol is Lord Damo. De la même manière, si maintenant il n'y a pas quelqu'un qui est Taol, il n'y a pas un Kohen qui est Taol pour faire la Zrika. C'est quoi Trilato? Shrita ou Zrika.
selon la première explication de Rashi qui est Iqa. Trilato, c'est Shrita Zika. Sofo, c'est Aptarat Evari. Alors, Tuma de Trilato, Balmithat, Tumaou. Sofo, Nami, Dahé. Même Sofo, c'est Dohé. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de Kohen qui est à or pour faire Zika Tadam, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est grave, on fait Betuma. Alors, Sofo, la même chose. Même la fin, c'est Dohé. On fait l'Aptarat Evarim, c'est Tamé, c'est Dohé. Non, on mélange d'un côté la Touma de la bête et de l'autre côté la Touma du Kohen. Ah, peu importe, ça ne change rien. C'est fait Betouma, c'est ça que je veux. C'est fait Betouma. Ce sont même des Katadam. Le Kohen n'a pas le droit de. La Touma, elle est nitrite. Ça veut dire la Touma, elle est nitrite. Que ce soit le membre ou que ce soit le Kohen, l'un comme l'autre, on n'a pas le droit à les Khatrila. Ah, tu vois qu'on le fait quand non, même. Ça veut dire que quand il a posé la question, la Vamina, c'est on parlait du membre. Maintenant, réponse, non, je ne parle pas du membre, je parle du membre et du Kohen. Non, non, il dit Trilato, Sofo qui Trilato. Trilato, la Touma, on la repousse. Même Sofo, la Touma, on la repousse. Peu importe, ou le membre ou le bonhomme, ça ne change rien. Il oui. y a un digne de Touma que je repousse. Mais la Vamina dans la question, c'était bien que dans le membre. Quand tu lui dis Bémoado, 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 ça veut dire par rapport à la bête. D'accord. Alors non, c'est pour voir question et réponse. La question, c'est, moi, j'ai compris de ce que tu disais, que tu parlais de la Touma de la bête. Réponse, non, je ne parle pas que de la Touma de la bête, je parle de la Touma du Kohen. Non, réponse, je ne reviens pas sur ça. Je ne reviens pas sur ça du tout, je ne reviens pas sur le passour. Dans ma réponse, je ne reviens pas sur le passour, n'est-ce pas? Je ne reviens pas. Non, c'est-à-dire que le passour qui ne me gêne plus maintenant. Parce que je n'ai plus de problème avec Bémoado. Quand je dis Bémoado, je parle maintenant du Kohen, puisque Kohen n'a rien à voir avec Bémoado. Non, mais c'est pas vrai ça. Même si Béhémet, même si le Kohen il est tamé, on te demande de faire le Korban grâce à Bémorado, Béhémet. C'est ça, c'est la vérité ça. Pourquoi on fait le Korban? D'où tu sais Trilato Doré? Je sais pas, là je vois. Voilà la réponse, Bémorado. La réponse est Bémorado. D'accord, donc c'est à cause du Patsou que je fais Bémorado. Mais voilà. Maintenant, si tu me poses la question pourquoi j'ai fait un Hilo contre Thomas et Shabbat, c'est ça ta question à Bailly. Ouais. Pourquoi j'ai fait une question, je t'explique. Dans Touma, comme dans Shabbat, on dit Sofo que Trilato. Trilato dans Touma, c'est Doré, même Sofo c'est Doré. Par contre, Shabbat, de Trilato, là où Bar Mitra Shabbatou, venez, on va voir tout de suite à la Chine. Shabbat, Trilato, c'est quoi Trilato? Shrita ou Zrika. Shrita ou Zrika, Shrita ou Zrika, c'est pas Mitra Shabbat, donc tu parles du Korban de Shabbat? Bien sûr qu'on le fait Shabbat. Alashi, Shabbat, des Trilato, des Tamid, des Erev Shabbat. Là où Bal Mitra Shabbat. Oui, la Shrita et la Zirka de Shabbat, de Erev Shabbat, c'est pas Shabbat. Ouais. Vendredi. Vendredi, oui. Là où Bal Mitra Shabbat, celui-là, il ne repousse pas Shabbat. Share Ben Arbaim Mishrat. Celui-là, on le fait la Shrita Ben Arbaim. Vedam Nifsal Mishkiat Ahama. Et le sang, tu ne le fais pas après l'entrée de Shabbat, tu le fais avant. Parce que si tu laisses après, il est pas au. Bon, ici, il y a une halakha du Rachash, il dit, et alors. Et même s'il avait fait le soir, Mayesh, il y a une halakha dans la Zekat Adab, que tu parles de Triya ou pas Triya. Bon, il y a au moins peut-être, on peut dire, il y a un Issur de Rabbanan, comme on a vu dans Zahar. Avant, je ne rentre pas dans ça. Il y a au moins un Issur de Mouxé, le Corban, il a fini son temps. Et tu vas utiliser. Non, parce que la Yara, elle est parce que toi, là, si tu dis Vedam Nifsal Bishkat Ahama, et sinon, ça ne marche pas. Même l'on Nifsal, la guide l'on Nifsal. Et alors ça ne marcherait pas quand même. Et tu, n'y a pas de triade Shabbat quand même. Il n'y a pas de triade Shabbat. Donc ça marche, la phrase de la Gemara marche toujours. Quand la Gemara, elle dit Shabbat et Trilato, lav bar mitra Shabbat. Même si tu fais la Zaha, il n'y a pas de triade Shabbat. La phrase de la Gemara, elle marche toujours. Ça, c'est la hara du Rachash. OK? On peut dire, là, quand même, ils sont des rabananes, c'est un peu d'or. C'est pour en répondre. Ah, bah, c'est. OK? La question, c'est pourquoi Rachid a rajouté cette phrase-là. Bête. OK. Pas grave. Il faudrait être Marianne. Ça, il faut être Marianne. On continue. Bon, de toute façon, Marianne, même Rachash, il n'a pas répondu. Hein. Juste, il a fait une hara sur Rachid. Alors, Sophonami, l'adaré. Sophonami, ça veut dire quoi?
Akarat Evarim, non plus, ce n'est pas Doré. Donc, on voit ici de Rashi, que Rashi comprend que quand on a dit Trila et Sof, on parle du Korban de vendredi. De vendredi soir. Ah, du vendredi, pas soir. Vendredi après-midi. Vendredi après-midi, Ben Arbaïm. Voilà. D'accord. Donc, voilà pourquoi je fais une différence entre Shabbat et Touma. Toujours j'ai moi à la Svara, Sofo et Trilato. Dans Touma, Trilato, Dohe, Sofo, Dohe. Dans Shabbat, Trilato, Lodohe, celui de Erev Shabbat, Sofo, Nami, Lodohe. Le Rav Chosda, le Kachia. Sofo et Trilato, l'Etle. Lui, il n'a pas ma Svara à moi, Sofo et Trilato. Il n'a pas de Kouchanon quand même. Pourquoi? Lui, il pense Shabbat, Utrahi, Besibour. Sofon ami dahé. Shabbat, c'est pas dahoui, c'est outar. Apport korbanot, outar. Donc, puisque Shabbat outra besibour, c'est pourquoi Sofon aussi. Sofon, c'est moutar. Sofon ami dahé. Tum'a dahouya besibour. Ça veut dire que quand la Torah l'a autorisé, Touma, Bessibour, ça l'a autorisé Bejavad, Beshatat Haq. Si tu trouves une solution pour faire Betara, fais-le. On appelle ça Dahoui. Touma, Dahouya, Bessibour. Alors, Trilato, Deikar Kapara. C'est quoi Trilato? Shita Ozlika, que c'est ça l'essentiel de la Kapara, c'est la Zlika. Et toi, soit tu dis, c'est ça, pourquoi Rashi préfère ce pirouche-là? La zrika bemet zrikat adam kapara bedami ça y est kapara ouais trilat trilato de kar kapara dahi sofo de la y kar kapara sofo puisqu'on parle de Touma et sofo c'est quoi talat evarim mais ça c'est pas y kar kapara c'est pas y kar kapara hein? Alors c'est betouma laisse tomber ne fait pas la dahi reprenons beaucoup de questions là. Seconde, reprenons. Selon la Fazda, que lui, il a dit, moi, je fais un hilouk entre Shabbat et Touma. Dans quel sens? Shabbat, toujours, je t'autorise. Pourquoi? Parce que lui, il pense que Shabbat, Outar, Bessibour. Ah, Outar, Bessibour, ça veut dire qu'il n'y a pas à chercher des combines ou quoi que ce soit. Outar, Moutar, Moutar. Ouais, Moutarim, Lachem, Moutarim, Lachem. Ouais. Donc, tu peux faire et le Trilato et Sofo. D'accord? Sofo, Akhtara Tevarim, tu peux. Shilato, Shrita Ozika, tu peux. Alors, encore une fois, hein, Shrita Ozika, on parle d'une chose et Akhtara Tevarim, on parlerait d'autre chose. Par contre, Touma, que c'est Dahoui Bessibo, quand tu trouves à ne pas faire Betouma, ne fais pas Betouma. Ikar Kapara, je vais la faire Betouma, je n'ai pas le choix. Sofo, Akhtara Tevalim, qui ne sait pas Yakar Kapara, eh ben, ce n'est pas la peine de la faire, puisque c'est Betouma, évite. Bon, voilà la chita de la Fresda. Alors, tu as dit que tu as des questions, vas-y. Ah, bizarre. Quand tu dis que. Bon, attends, je vais prendre dans les mots. Shabbat de Utara et Bessibour, Sophonami d'Ahé, Touma d'Ahouya et Bessibour, Hilato d'Eikar Kapara d'Ahé. Donc ça veut dire que pour la Touma, finalement, il dit non, ne fais pas si tu n'as pas de Kohen Taor. C'est bien ça. Oui, Sofo, Akhtara Tevari. D'accord. Donc comment il fait avec le Pasuk Bémoado? Alors, comment il fait? Mais ça, tu peux la poser même dans l'autre. Hein. Alors. Comment il fait avec Bemorado? Bemorado, il fait Kapara. Il n'a pas de problème. Voilà, Ikar Kapara. Ce que la Torah t'a autorisé dans Morado, c'est Ikar Kapara, ce qui est nécessaire, ce qui n'est pas nécessaire, non? Donc, ça veut dire que j'aurais le droit de faire Zrika, Shrita et Zrika avec un Kohen Tamé, mais je lui dis, monsieur, vous vous arrêtez là. C'est ça? Je l'aurais fait, donc les mordos auraient été accomplis. De même pour Rabat, la même chose. Tu m'as dit, Rabat, voilà, il n'y a pas de problème. Shabbat, parce que là, c'est un korban de Erev Shabbat.
Exact, mais lui, il n'y a pas de problème. Parce que le corban de Erev Shabbat, c'est pour ça que je ne fais pas. Je fais des mots à dos, je fais le corban de Shabbat. Et tamé, j'autorise. Donc, je n'ai pas de problème avec le passé. C'est bon? On a fini le deuxième volet, Malalachi. Tous. Maintenant, en fait, on se voit. Tosfot, comme je vous ai dit, au départ, donc, il va rapporter le premier pur rouge de la Chie, que selon la Chie, c'est le Hétar, celui qu'on a fait nous-mêmes. Tosfot, il va au départ être marché sur lui, mais il va le défendre. Puis, il va rapporter 3-4 couchiotes. À cela, il va rapporter donc. Il va préférer le deuxième pur rouge de la Chie. Une fois qu'il aura fini le deuxième pur rouge de la Chie, il va expliquer pourquoi la Chie l'a préféré le premier pur rouge. Et il va, de soit il va proposer un refutement à ça. C'est-à-dire, la Chie l'a préféré parce qu'il va avoir une. Il y a des mots de l'Agmara qui vont pousser comme le premier pur rouge. Et il lui a dit, non, c'est pas obligé. Là, je peux garder le deuxième pirouche. Voilà un peu le squelette de Tosfot. On y va. Il a tout doré, mais sofo et no doré. La phrase d'Amar doré, ta Shabbat, le roulé. Il est chassi. Il a tout. Tamid. Shita ouzrika. Doré, ta tuma. C'est Dohé la Touma. On parle de Trilato. Hein. Dohé la Touma. Sofo. C'est quoi Sofo? Akhtara Tevarim. Et non Dohé la Touma. Aval Shabbat. Dohé. Un philosopho. Akhtara Tevarim. Un philosopho. Verabba Amar. Trilato. Dohé. C'est quoi Trilato? Tamid shel Shabbat. Shita uzrika. Manu. Ah. C'est-à-dire quoi quand tu dis Aval Shabbat doré à filousofo? Ça veut dire que la semaine. Tu peux le faire. Tu peux le faire le Korban même Shabbat. Même le sofo, tu peux le faire pendant Shabbat. Non, oui, d'accord. Mais si on dit Aval Shabbat doré à filousofo, ça veut dire si Shabbat, même sofo, il est doré. Ça voudrait dire qu'avant, il y a quelque chose qui ne serait pas doré. De quoi on parle? Non, au contraire. C'est la tombe, bien sûr que c'est doré. Mais un philosophe, c'est doré. Quand on dit doré à philosophe, ça veut dire quand chacun crie la tombe. Voilà. Voilà. Donc, trilato, c'est doré. Un philosophe, doré. Voilà, okay. Amar. Là-bas, lui pense, Trilato Dohe, Tamid Shel Shabbat, Shita Uzrika, Dohe Ta Shabbat, Vekarev Shabbat. Sofo, c'est quoi Sofo? Akhtara Tevarim. Tamid Shel Aerev Shabbat, Aerev Shabbat. D'accord? Tamid Shel Aerev Shabbat. Eno, comme je l'explique, Eno Dohe. D'un devarim niktarim michet de hachach. Et là, malin mi bordio. Mais c'est un pirou, je te fais, c'est un. Donc, sofo, c'est quoi? Sofo, akhtara tevarim, non pas ceux de Shabbat, ceux de Erev Shabbat, on ne pourra pas les approcher pendant Shabbat. D'accord? Et ce pirou-là est ikar pour Rashi. Vekshari. Yatnan, le père Kessad Solin, a mis à dévarin baim betuma. Valkorher, a fui le actalat et morim kahama. Mide kahama, le enane khalim betuma. Miklal, de kolash arba betuma, chita uzrika vaktala. Voilà la question. Numéro 1. La question, elle est sur la phrase. Selon comment toi t'as expliqué la chier la phrase. Il a dit quoi? Trilato dans la Touma, c'est Dohé.
Je crois, Shrita Zrika, c'est Doré. Sofo, Aptala Tevarim, c'est pas Doré. C'est comme ça que ça sort. Ah, Aptala Tevarim, lorsqu'ils sont tamés, c'est pas Doré. Comme ça, tu dis. J'ai une Gemara contre toi. La Gemara, elle dit, Hamisha Tevarim, Baim Betuma. On les approche même si c'est tamé. Comment la phrase-là, tu es choler sur la Mishnah? Cet enseignement-là? Ben, le Korher dit sur Sot, qui t'a dit qu'on parle de Aptala. Comment tu sais? De par le fait que dire on ne les mange pas betum'a. Ah, manger betum'a, non. Mais les autres étapes, en l'occurrence, akhtara betum'a, on peut. Et donc, coucher contre la phrase d'A. Donc, ve'enanéchalim betum'a, mikla, dekolch ar, ba betum'a. Tout le reste. C'est quoi tout le reste? Shrita Azrika Akhtara. Babituma. Kosha contre la Hazda. Question numéro 2. Veod. Dea Katane Beadayo Omer. Il est marqué dans les 5 là-bas. Omer. Omer, il vient Betuma. Et Omer, c'est quoi? C'est quoi, il vient Betuma? Qu'est-ce qu'on fait dans le Omer? Il y a une partie qu'on brûle sur le misère. Et une partie qu'on mange. Tu m'as dit Betuma, tu ne manges pas. Alors, qu'est-ce qui reste? Il reste la partie que tu brûles. Tu vois bien qu'il y a une partie que tu brûles, Betum'a. Donc, il y a bien une Akhtara, Betum'a. Là, on l'a fait contre toi, la Fresda. Toi, la Fresda, selon toi, Rachid, on n'accepte pas Betum'a, une Akhtara. Akhtara, ce n'est pas Manitrit Bessibo. Donc, Akhtara, ce n'est pas nécessaire, on n'accepte pas. On a une Mishnah contre toi. ולאין נמי בפלק המאם לינן היה מקרים מנחת פערים ואלים וכבשים ונתמד בידו וכולי לבא עוד דף זין נושא נביא הנדין כמצפילה עד אומרים לו אבי פיקח ושתוק לבא סדבינו תמי עולי תיטועה אבא לפרושי תמי אבא לפרושי ואת מקציר פלטו איפה כשפל דפסו מדויקת ואת מקציר אינו פער הפרסו ביקס את המאה הכתרה בתומעה פרושה קונטרולה פסדה. Méo, alors tout ça, tu vas répondre à toutes ces questions-là. Yesh le mal de l'eau cachée. Pourquoi? Parce que je peux te dire que l'Aktara dans un Komes, c'est l'équivalent de la Zrika dans un Korban, Zrika d'âme dans un Korban. L'Akbara Bemet, elle donne cette idée-là par ailleurs. Or, Zrika Betuma, on l'accepte. Aktara Betuma, on l'accepte. Cette Aktara-là, on l'accepte. Que ce soit Omer, ou que ce soit, comme on l'a cité là, le Minha, d'accord? Ça s'appelle Akhtara égale Zrika Betuma, et ça, même la Fresda, il accepte. Mais où est-ce que c'est là caché. D'Akhtara de Komes de Minha, même comme Zrika de Dam de Zeva. Mais il y a écrit de Zrika de Khetuma, il y a mis Akhtara de Komes. Et d'Amar, de Zvahim, de Perekama, comme on l'a vu dans Zvahim, Maktir n'a mis à yir aux oreilles. Maktir, ses oreilles. Maintenant, avec ça, je vais te répondre aussi à la deuxième question. Je vais te répondre aussi à ça. Donc, rappelons, c'est quoi la question? C'est-à-dire, on ne mange pas betum'a. Ah, mais les autres avodot, on peut les faire betum'a. En l'occurrence, shrita zika akhtara. Oui, yeah, ça dépend de quel akhtara tu parles. Un, il y a akhtara que tu peux faire, comme le rhum, etc., que ça c'est l'équivalent de la zrika, mais il y a des akhtarot comme l'akhtarot des membres des Evarim, ça non, les rhum. Donc, au mehen et khalim et tumani, hadiyej l'oma de nakat lishna, des shiyar et koulou. Des koulou et khalim. Tous ils ne sont pas mangés. En et khalim, ça marche dans tous. Comment ça marche ce qui est écrit dans le Tarim? Attends, je finis la réponse. En echalim betuma. Aval enyan akhtara. Yesh men. Shenichteret betuma. Kegol minhat haomet. Et y'a que non. Comme akhtara tevarim. Vas-y. Tarim. Hamisha tevarim ben betuma. Vel kochech apilu akhtara timurim. Kamar. Donc comment il a compris? Il a compris akhtara timurim.
Et là, on dirait non, c'est plus Akhtarat Imourim. Je t'ai dit Akhtarat Imourim, mais c'est Akhtarat Solet. Voilà. Au départ, il a compris Al-Korhek, Akhtarat Imourim, juste. C'est bien, alors qu'est-ce que tu veux maintenant? C'est bon, là? Ben non! Parce que quand parce que tu m'as dit Ektaratimurim, tu m'as donné une autre preuve, tu m'as dit regarde, c'est bien, tu peux faire Betouma, Shrita, Zrika, Aktara, Shrita, Zrika et Aktara. Donc je comprends que tu ne me parles pas de deux corbanes, tu me dis pas. Je t'explique. La preuve de ton sort au départ, c'est quoi la force de la poucha au départ? Au départ, il a dit Hamisha Devarim Ben Betouma, Valkorher, Afilo Aktaratimurim. Qui t'a dit? Il dit parce que c'est marqué Mideka Amar Ve'en Anechalim Betuma. Ah, la Khila Betuma, ils ne la font pas. Shma Mina, les autres étapes, comme Shrita Zrika Akhtara, on l'a fait à Philo Betuma. Ça, c'est ma force. Je te réponds. Tu sais, c'est un mauvais diouk que tu as fait. Quand je te dis En Anechalim, parce qu'En Anechalim, ça marche partout. Dans tous les cas que la Gemara a cité là-bas, les 5 cas, il y a le mot, il y a la Akhila dedans. Il y a un digne de Akhila. Et je suis en train de te dire, Akhila Betouma, non. Mais ça, c'est égal partout. C'est pourquoi je t'ai dit Nani Akhalim. Mais Akhtara, il y a des différences. C'est pourquoi je ne t'ai pas parlé. Il y a des différences. Il y a des Akhtarot. Oui, il y a des Akhtarot, non. Donc, n'en déduis pas que tout Akhtara est autorisé. Il y a des Akhtarot. Oui, des Akhtarot, non. C'est pourquoi je me suis tué. Celles qui sont autorisées, mais c'est celles qui ressemblent à Zricha. Mais si, Rav Hezak te dira, mais si c'est une Akhtara qui ne ressemble pas à Zricha, pardon, Akhtara et Zivarim, là, tu n'auras pas le droit, comme la Akhila. Tu as compris comment on a fait le Dio? Il repousse le Dio qu'on a fait au départ. Au départ, tu as dit Akhila, tu ne peux pas faire Betouma, je m'amène les autres Avodot, oui. Non, la Akhila, elle est vraie partout. Et celle-là, tu ne peux jamais la faire. Mais les autres avodot, tiens, parfois oui, parfois non. C'est pour ça que je n'en ai pas parlé. Lesquels oui, lesquels non, celles qui ressemblent à Zikha, oui, celles qui ne ressemblent pas à Zikha. Non, mais c'est comme tu dis, c'est-à-dire que le diou que tu as fait au départ, il n'est pas bon parce que tu as fermé la chose alors qu'il y a une possibilité d'expliquer autrement. Très bien. Bon, jusque-là, c'était des couchiotes qu'on a répondu. À partir de là, ça va être des couchiotes sur le premier pelouche de la Chine ou. On va, tout soit, il va donc changer de pirouche. Omi au cachet. De la frasda me farèche les milta à col betamid. De col yuma ve yuma. Donc la frasda, il est en train de parler du colban tamid de chaque jour. Hilato, shrita ozrika. Dohe, atuma. Donc hilato, c'est shrita ozrika, c'est dohe atuma. Sofo, c'est quoi Sofo? Akhtara Tevarim. Et non, Dohaitouma. Comme ça, on a dit, n'est-ce pas? Daïno Akhtara. Velo Mairi Bevarim Shenitotru. La Frisa ne parle pas du tout de Varim Shenitotru. D'accord? Les restes des membres qui n'ont pas été brûlés. Mais là-bas, toujours dans cette même première version, Mefaresh, Trilato, Dohe, Shabbat. C'est quoi Trilato, Dohe, Shabbat? Shrita ou Zricha. Trilato, Dohe, Shabbat. Tamid de Shabbat. Là, on ne parle pas Tamid de Koulmana. On parle Tamid de Shabbat. Sofo et no Dohe. C'est quoi Sofo et no Dohe? Akhtara. Akhtara de quoi? Des Varim. Il y a les Varim. Psoulim. Non, c'est de vendredi. Autrement dit. Oui, de vendredi. C'est Evarim Shinitotru. C'est Evarim Shinitotru. Oui, oui. Il parle du Corban de tous les jours et il ne parle pas du tout de Evarim Shinitotru. Et l'autre, il parle du Corban de Shabbat et il parle, lui, par contre, des Evarim Shinitotru et pas des Akhtarat Evarim en général. Des Valim Shenitot. Quand il reste, ça dérange le sort. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Bon, c'est une couche à compter de dollars. Val. Véod.
Maïka Amart Hilato de Hé Shabbat Shita Uzrika. Quand tu as dit au départ Hilato, c'est de Hé Shabbat, on est selon qui là? Selon Rabba qui a dit Hilato de Hé Shabbat, Abal En Sofo de Hé Shabbat. Maïka Amart Hilato de Hé Shabbat Shita Uzrika. A philosophe en ami de Hé Shabbat. Aptara dit ami de Shabbat. Ouais, Trilato, c'est quoi? Trilato, tu dis, c'est Doré Shabbat, il a Shrita aux états du Korban. Sofo, alors Sofo aussi, c'est Doré Shabbat. L'Aktarat et Varim de Shabbat sont Doré Shabbat. Ouais? Ouais. Nous, on a dû dire, Sofo, c'est quoi? On parle des Evarim chez Netotum. On parle de ceux de vendredi. C'est pas symétrique, c'est pas, ça va pas dans la même continuité. Verod. Troisième, des rabbins de Trilato d'Ohé Shabbat. Le midi Shabbat. Aïno, un philosopho Akhtarato. Donc, quand on dit Trilato, Bémet, selon Rabba, ça sortirait. C'est tout le Korban. De Shabbat, on peut l'approcher pour le Shabbat. Même là, même l'Akhtara. On a phrase là, Trilato d'Ohé Tum'a. Quand on dit Trilato d'Ohé Tum'a, Aïnou, quoi Trilato? Dafta Shrita Ozrika. Dafta Shrita Ozrika d'Ohé Tum'a. Trilato. Avalo Sofo. Veleka le memar del Rabba Nami, Tami de Shabbat, Trilato d'Ohé Shabbat. Shrita Ozrika, Sofo. Donc, pardon, je repense. Velé kalemema de Rabba Nami. Tami de Shabbat, Trilato, Dohe Shabbat. C'est quoi Trilato? Shita Uzrika. Sofo, Akhtarato, et no Dohe. Tu vas me dire, tu sais, Rabba, il pense. Rabba, il pense pas comme ce qu'on a dit jusqu'à présent. Il pense que la Akhtara des Varim, on ne peut pas la faire pendant Shabbat. Il a fait Mosai Shabbat, mon ami. Et tu penses comme ça. Béa, Amar, Bepé, la Kalut Varim. Boré kama haviva miswa bishata. La Gemara va dire, regarde combien elle est importante miswa bishata. Share ekter halavim ve'evarim ksherim kol alayla. On peut la faire Mosai Shabbat. Et on n'attend pas Mosai Shabbat. On aime halal Shabbat. Miswa bishata adif. Ve'en mamtim la'em achet d'achat. Et là-bas, elle ne peut pas être clair sur ça. Ve'od. Maïka amar rabba. Est-ce que là-bas il dit quand il se défend, quand il s'explique, Shabbat Trilato, la Vavutre Shabbat, ou Sofo Nami la Dahé. Oui, Sofo en Dahé, de Kamar, a filo betami de Shabbat. Et que si le Sofo, qu'il a dit que ça ne repousse pas, c'est même le tamis de Shabbat, Maï Kamar de la Bar Mitre Shabbat. Comment ça, c'est pas Bar Mitre? Il est oui Bar Mitre. Ah, Bar Mitre Shabbat, ou parce que le Shabbat, le Korban lui-même, il est Bar Mitre. Comment Rabba, il a dit Shabbat, il est là, Bar Mitre Shabbat. Lui aussi, il est Bar Mitre Shabbat. Si on parle du Korban Shabbat. Donc, à la tsad que tu dises que Rabba, il ne serait pas d'accord avec ce que nous, on avait en tête, il considère que l'Akhtara Tevarim, on a fait votre Shabbat. L'Akhtara Tevarim de Shabbat, on a fait votre Shabbat. Il dit là, quand tu ne comprends pas, la phrase de Rabba. Non, attends, comment tu ne comprends pas la phrase de Rabba? La Bar Mitre de Shabbat, il parle du Korban Ben Arbaim, l'Akhtara de Korban Ben Arbaim. Non, on n'est pas dans ça là. On est que toi, tu es en train de proposer de dire Sofo, quand on a dit Sofo, Trilato et Sofo, on parle du Korban de Shabbat. Shabbat. Parce qu'on a vu qu'il y avait des asymétries, n'est-ce pas? Oui. Alors, tu te dis, moi, je vais arranger. Je vais dire qu'on parle leur lame tout de Shabbat. Et Shabbat, Akhtarato, Shritato, Trilato, c'est Shritato, Zrikato. Et Sofo, c'est Akhtarato, non. Il n'a pas expliqué comme ça. Akhtarato, non, c'est l'Akhtarato de Shabbat. Pourquoi est-ce que l'Akhtarato, tu peux la faire Moussaï Shabbat? De toute façon, pour deux raisons, je ne peux pas dire ça. Même si j'ai essayé d'expliquer comme ça, je ne pourrais pas. Un, la Gemara de Psachim. Bor et Kamahaviva Miswa. Deux, les paroles de Rabba, sinon on ne va pas les comprendre.
Comment ça, tu me dis Sofa Indahé? Ouais, Vi Sofa Indahé, comme tu as dit, tu fais Mosai Shabbat, parce que l'Aftala, tu as fait Mosai Shabbat. Oui. Comment la Gemara a dit Trilato? C'est quoi Trilato? Akhtara de Shabbat, c'est pas Dohé? Bien sûr que c'est Dohé. Pardon, pas l'Akhtara. La Shrita Zrika. Shrita Zrika. Oui. Bien sûr que oui, c'est Dohé. On comprend pas donc la phrase de là-bas. Voilà. D'accord? Ça, c'est à partir de Vele Kalemema. D'accord? Vele Kalemema, tout ça, c'est ça. Très bien. Alors, qu'est-ce que je fais à cause de ça? Je change de pirouge. Alken ira l'éri, comme le deuxième pirouge de la Chine. Pirouge chéni de la Chine, pirouge chéni. Alors, on y va. C'est quoi le pirouge chéni de la Chine? Trilato. Nisofo, accol avec toi. Égal, aktarat evarim, et trila. Et sofo, c'est evarim chéni totro. D'accord? Comme ça, on va expliquer maintenant. Eraba, erafhazda. On y va. Alken ir aleri, pirusheni shipireshashi. Trilato vesofo, akol alekter halava utai. Bekaamara fazda. Ekter halava sheloni totru. Pas ceux qui sont restés, les origines, l'origine. Bohin tuma. Repousse à tuma. Sofo, c'est quoi sofo? Evarim sheni totru. אינן דוחין התואה, לעשות להן מערכה בפני עצמן. העולה היא גירשי, היא גירשי סוסות, שוט חונסיית עמבה, גדס כדיס, איברים שניתותרו, נכון? אין דוחין התואה, כמון נו נורי קומחי, אין דוחין את התואה? אין דוחין, איברים ש... איברים שניתותרו, כיסון תמי, צ'יפה. ווי. Non, c'est pas ça. En andochina tuma, la asot laem maracha bifne asma. Pour leur faire une maracha à part, la quatrième la part. Mais, oui, on a vu cette idée, on a vu. On a vu, voilà, je la montre là. Après, on verra, Bishmot Kolev va proposer ici quel a été le echrer de tout ça de dire ça. Je n'ai pas envie de couper le fil là, je continue, d'accord? On continue, continue. Après, on verra. ולקטיר בתומה. איברים שניתותרו, אין דוחין התומה לעשות להם מערכה בפני עצמה, ולקטיר בתומה, אלא מקטירן בתומה על המערכה הגדולה. וכיוון דתמים הן, אין אין דוחין התומה, כמי שום תמי, לאיברים שניתותרו, אין אין דוחין התומה, דלא חשיב כתמיד איומי. Vous n'êtes pas considéré comme le jour lui-même, le korban du jour lui-même. L'évalim du jour lui-même, il propose la touma. Mais vous êtes dans un autre jour maintenant. Alors vous êtes tamé, ce n'est pas bon. D'accord? Vedohé, par contre, Vedohé est un Shabbat, selon la phrase d'A. Kede Gamlinan, d'où j'apprends ça? Bibichol Moshotechem. D'accord? Vorsin lahem alacha bifne asman. Pendant Shabbat, on peut leur faire une malacha à part. Kiwan de ksherim, pas de différence. Touma, pas touma. C'est kasher, c'est bon. Veraba, svirade. Tout ça, c'est Rav Chosda. Maintenant, Rabba. Veraba, svirade. Trilato dohe et à Shabbat. Trilato dohe Shabbat et sofo. En dohe et à Shabbat. Avec touma, ken dohe. Alors, on explique. Trilato dohe Shabbat. Evarim de tamid de yume. Les varim du Shabbat. Ils sont qui repoussent le Shabbat. Sofo, l'odohé. C'est quoi Sofo? Les varim shinitotro. C'est quoi shinitotro? C'est ceux de la veille. En adohin Shabbat, la sot maracha bifne asman. Encore une fois, la sot maracha bifne asman. Ce n'est pas une maracha à part. Afilu imem théorim. Mais on les brûlera dans le maracha gdola. Entendez ce qu'on dit là? Comment c'est possible qu'on les brûle dans la barakha gdola? Comment c'est possible? Pourquoi pas? Alors là, Shabbat, Béchabbat, ou alors l'Atrol, Béchabbat? L'Atrol, Béchabbat. Oh bon, je mets ça de côté, on va voir. Attends, l'Atrol, Béchabbat. Non,
Ça, je vais apprendre Bechol Moshvotechem. Oui, mais on a été mis à Shem. Voilà le premier Shabbat que tu fais avec. Mais justement. Ça dépend de l'Ishnaot par là-haut. Le Shabbat matin et pas le soir. D'accord, je vais revenir sur ça tout à l'heure. Ça dépend du Tosot précédent, en fait. Oui, 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 j'ai compris ce que tu veux dire. Mais a priori, ils peuvent jouer avec les psukim et autoriser ça. Lui, qu'est-ce qu'il ne fait pas? Il ne fait juste pas une maracha spéciale. Voilà, il dit maracha spéciale, non. Et n'a pas de Shabbat dans cette maracha du Flasman. A fait lui-même théorie. Ok. Aval dohet atouma, im nitotru behol. Dohet atouma, c'est quoi? Si maintenant, on est en semaine, et valim chez nitotru, selon là-bas, ça repose à Touma. On marche l'an betouma. Tu peux faire une maracha. Toujours la même chose, on marche l'an betouma. Point. On continue encore un petit peu. Vaïnu plukta de l'aïl. Vaïnu plukta. Et c'est ça la mahlok. De l'aïl ka'amar a filu psolin en si la'e maracha bifne asman ve a filu bishabat. On m'a dit les psolin, on peut les faire même pendant Shabbat une maracha bifne asman. Vaïnu de pliga de ravuna. Et c'est ça ce qu'on a dit, que Bar Papara, ça ne va pas avec Ravuna. Que ça soit selon Rabba ou que ça soit selon Rav Hasda. C'est-à-dire que selon le premier du Pérou de Rashi, il faut faire ce calcul-là. Il faut faire ce raisonnement-là. Est-ce que c'est vrai ce qu'on est en train de dire là maintenant? On dirait que non. Alors, je reprends. Que soit ils disent, donc avec ce délire-là, on a dit que Ravuna, il est cholère sur Bar Papara. Bar Papara, il a dit... Tamé, tu leur fais une malacha bifna asman, même Shabbat. Tu leur fais une malacha bifna asman Shabbat. Et sur ça, il dit, attends, une seconde. Ça ne va pas avec Ravuna. Que tu expliques Ravuna selon Rabba ou que tu expliques Ravuna selon Rav Hezda. Pourquoi? Ben le Rabba, ben le Hezda. Rabba, pourquoi? Essayez de m'expliquer. Selon Rav Hezda, malacha bifna asma. Oui. On ne fait pas lorsque c'est Touma. Selon Rabba, Shabbat, on ne fait pas Malacha Bifna Asma. Or, toi, Bar Kappara, tu as autorisé Shabbat Touma, Malacha Bifna Asma. Donc, ou selon Rabba, ou selon Hazda, Ravuna n'est pas d'accord avec Bar Kappara. Mais nous, on ne parle pas de Shabbat, là. On parle de Chol. Qui parle de... On parle des deux. On parle des deux. Ça veut dire même chol. Et ils nous plukta des ravona ben des rabba ben des rabchaza. Mais il me semblait que leur plukta n'était pas bechol, elle était d'arka b'shabbat. Regarde, les reprend rabba et rabchaza. Rabchaza mal dohet à shabbat, une dohet à touma. Non, mais ce qu'on avait dit là-haut, le problème qu'on avait à partir de Bar Kappara, là-bas, de quoi on a parlé? Dans Tosfot. Même à la limite, prendre dans Tosfot encore mieux. Là-bas, le problème, c'est des Shabbat. On n'avait pas de problème pour le Chol. Selon qui? Selon tout le monde, tout le problème, c'était quoi? C'est de comprendre, Olat Shabbat, Bishabbato, comment je fais, puisque j'ai Bechol Moshvotechem de l'autre côté. Ça, c'est une souga qu'on a vue dans ton sort précédent. On va y revenir dans le temps. C'est ça dont je te parle. Alors, c'est ça. Et bien, justement, c'est-à-dire que tout le problème qu'on a, c'est par rapport à Shabbat. Par rapport au Chol, je n'ai pas de problème. Amy, je fais une autre maracha. Ok, maintenant, tu vois bien qu'il y a eu un problème. Il y a des Amoraïm qui disent qu'il y a eu un problème. Même dans le Chol, il y a un problème. Ouais. Selon la Fouda, Betouma, Bechol, c'est un problème. Et Valim Chine, tu ne le fais pas Betouma. Et voilà, ils te disent ça. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Non, je ne veux rien, mais il y a un élément qui me manque. C'est-à-dire que moi, j'étais dans le Shabbat et d'un seul coup, ils ont glissé, ils sont rentrés dans le Chol. Là, je ne les ai pas vus passer par quelle porte? La mahloka qui est entre Rabba et Rav Hezda, elle est sur Touma et Shabbat.
quand Ravuna il a dit c'est pas Doré, c'était Touma, c'était pas Doré, c'était pas au Shabbat que c'était pas Doré. Donc quand on dit que c'est Touma, c'est le Chol. Quand on dit le mot Touma, c'est le Chol. Et quand on dit Shabbat, c'est pendant Shabbat. Vu qu'il dit Touma, c'est pas Doré, Shabbat, c'est lui Doré. Quand on dit Touma, c'est pas Doré, c'est dans le Chol alors. D'accord? Ok. Vayinu plukta, donc vayinu déplique de Ravuna, ben Rabba ben Reda. Rabba d'Amar Sofo et le Doré Shabbat, l'étlé pircha de Rabba de Rabba, de Rabba, pardon, il faut dire. Donc Rabba, que lui, il a dit Sofo et le Doré Shabbat. Et quoi Sofo et le Doré Shabbat? On ne fait pas Shabbat. Et vayinu shetur, on ne fait pas Shabbat. Oh, ça veut dire que lui, il n'est pas d'accord avec le Becholium que Rava, il a dit que c'est machement Bram Shabbat. Il n'est pas d'accord avec ça. D'accord? D'abord, Becholium Tan, et là, c'est vrai, les Bami Shabbat. Alors, je finis Rashi, après on reprend cette Nekoudala de Meshach, Bret Hashem. Je finis Rashi, ou Mashi Katav Rashi, Eikar, Arisham Eikar, Nira, qui est au Kshalo al Pirush Sheni. Alors, pourquoi Rashi l'a préféré comme le premier Pirush? Et pas comme le deuxième pirouche. Ça soit qu'il propose une idée. Il dit, moi, il me semble, alors selon le premier pirouche, Trilato, c'est quoi? Shrita ou Zrika. Ça, le moral va dire Trilato et Karkapara, n'est-ce pas? Ouais. Oh, Shrita, Zrika, Zrika, c'est Karkapara. Ça marche très bien. Selon le deuxième pirouche, c'est quoi Trilato? Akhtara Tevarim. Akhtara Tevarim, ça s'appelle Kapara. C'est pas ça, le Kapara. C'est les katadam, le kapara. Voilà pourquoi la Chine a dit je préfère le premier pirouche. Alors on y va. Kiok shalo al pirouchini, de kama trilato de kal kapara. Veya evalim kama. Ané la vekal kapara nino. Ça, c'est pas yakal kapara. Alors tu dis je peux répondre. On mi ou lo kashi. De bertara nemi kapara. Je peux te dire que même la akhtara, ça s'appelle kapara. En fait, le mot Ikar Kapara, c'est relatif. Tout est relatif par rapport à. Et la Tau, par rapport à Anitotru, ouais, ça veut dire Akhtarat Evarim, par rapport à Nitotru, Evarim Shinitotru, ça s'appelle Ikar Kapara par rapport à l'autre. Ouais, tout est relatif. Alors, au mieux, on l'a caché. De Bertaranami, Ikar Kapara. Yekal Kapara, car elle est amie de Yume. Yekal Kapara par rapport au jour lui-même. C'est Yekal Kapara. Quelle preuve tu as que ça s'appelle Yekal Kapara? Quelle preuve tu as que Akhtarat et Varim, ça s'appelle Kapara? Prouve-le. Alors là, il va faire tout ça d'un pion. Il va amener une preuve. Mais la vérité, ce n'est pas Moukhrah. Sa preuve, elle n'est pas Moukhrah, comme fait remarquer le Rachash. On peut expliquer la Gemara là-bas autrement. La Gemara ne va pas parler clairement. Tout ça, on va expliquer la Gemara de cette manière-là. Alors, il faut référence à une mara qu'on a vue dans Daf Kaf Zayin. Alors, on y va. Amrina l'aïl bepé l'archini, istarich. Salkadata khamina, j'ai besoin de te dire que le feu, il faut que ce soit un kohen qui le fasse. Salkadata khamina, kiwan de avoda de l'omeak va kaparaï, puisque le fait de mettre le feu, ce n'est pas une avoda qui met à kevet la kapara, etc. אבל אפשט וניתוח דמעג וכפרה פעי כהונה. ça c'est pas écrit dans la Gemara. soit ils comprennent que la Gemara là-bas quand elle dit אבל אפשט וניתוח mais dépecer la bête et la couper en morceaux, ça c'est oui מעקב כפרה. j'aurais dit פעי כהונה. d'accord, mais en fait c'est pas מוכרח de comprendre comme ça la Gemara, je répète. qu'est-ce qui est écrit là-bas? il faut voir la Gemara là-bas. La Gemara là-bas. Alors, tu peux voir la Gemara là-bas. Hein? Je ne sais pas si c'est. On va regarder rapidement. Là-bas, je ne sais pas si vous vous rappelez, la Gemara, elle cherchait à montrer depuis le début. Efchet venitou Arshavin Beza. Ouais. La Gemara, elle essaie de prouver que le Zal, il peut faire ça. Dans Daf Kafa Vamochin. Le Zal, il peut faire Efchet venitou. Et la Gemara, elle essaie d'amener, elle a dit, puisque Mikabala va Elach. À partir de la Kabbalat Adam, c'est le Kohen. Donc, les Avodot d'avant, c'est le Zah qui peut la faire. D'accord? Et à un moment, la Gemara, elle dit...
Donc, Kabbalah Vela, Soitona, Venat nous bénit Aaron, l'Amali, l'Imot et Fchet, Venitoua. Vaketi Starir. Après, moi, j'ai Vaketi Starir, Sakhadata Ramina. Tu viens de la voir de la voir, Vodat de Mak Vakaparaï, Lotipa Kiuna. Ouais. Ramash Malan de Baikuna. Et tout ça, tu comprends? Là, on va vous donner des marques à l'autre véhicule. Par contre, Efchet Vinitoua, ouais, Efchet Vinitoua, c'est à vous donner des marques à Capara. On comprend le contraire, là. D'accord, tout ça, tu comprends. J'aurais pu te dire qu'il y a des là, on va vous donner des marques à Capara et le feu là-bas, d'accord? Oui, oui, non, non, Efchet Vinitoua. Non, on parle pas de ceux qui parlent du feu. Venez, nous venez à Aaron. Ouais. La maouté et la valise maouté et chez Vinitoua. Venat nous bénir Aaron à Cohen et chez la misbère. Alors, ça, tout soit la Gemara elle dit, qui va en délai avoir des marques va caparaï, j'aurais pu croire l'autre pareil qui est Runa. Ouais, Tamas Malan des pareils qui est Runa. Et moi, j'aurais dit, bah, peut-être aussi, peut-être la même chose, et chez Vinitoua. Tu n'as pas de preuve que chez Vinitoua, non. Ok. Et tout soit, tu comprennes, l'autre pareil qui est Runa. Elle, mais par contre, Efchet Vinitoua, elle, c'est la avoda des Mak Vakapara, et donc j'ai besoin de Kohen. Donc, tu n'as pas de preuve que ça marche avec ça. Comme ça, ils comprennent la Gemara. D'accord. Et sur ça, Marcel, j'ai fait remarquer que. Ok. Merci, on peut accepter. Alma, Afilo, Efchet Vinitoua. Même Efchet Vinitoua, Kare Kalkapara, les gars, Ben Tinat Esh, par rapport à l'Itinat Esh des Djon. Afin de garder Kal Kapara Beda, bien qu'on sait tous que Kal Kapara c'est Beda. Kolcheken, qui est Fchet Vinitoua, t'appelles ça Kal Kapara. Kolcheken, Beartara de Yume, ni Hadi Kalele et Kal Kapara, les Gabé Evalim de Nitotro. Elle s'appelle Kal Kapara par rapport à Evalim chez Nitotro. On a fini le spot, juste on fait un petit mishmot qu'on a. Pourquoi ce soit, ils étaient obligés de dire mais dans la malacha gdola. Si tu dis c'est pas du tout de haï, tu le brûles même pas, tu fais rien. Ouais. C'est ça ce que la Frézda est en train de dire. Valkorher, des machlamayri. Obligé de dire qu'on parle de quoi? Le machal baenaou, le feu, il les a pris. On parle de Touma, là, n'est-ce pas? On parle de Touma, Evarim, Shenitot. De Amar, Dohin, Shabbat. De par le fait que la Frézda, il a dit, c'est Dohé, Shabbat. Ah, si c'est Dohé, Shabbat, donc on parle d'Evarim, Imken, donc on parle. Donc on parle de ce que le feu a pris. D'accord? Allô? Imken. On va réfléchir, ça ne dépend pas des l'échelon de ça. Selon Alachon, selon la réponse de Tosfot, selon le premier Lachon, même si le cachère, celui qui n'est pas passoul, même si le feu il l'a pas pris, eh bien, tu peux le brûler quand même. Ça, c'est les Shnakama. Les Shnakama. Bon, ce qu'il dit, c'est les Shnabatra, on dirait. Les Shnakama, selon le réponse, ça ne marche pas comme ça. À part selon les autres drachim de. Ah, oui, on est selon Ri, la Mechila, on est selon Ri. Selon Ri, c'est vrai. La réponse de toute façon, elle suit Ri, n'est-ce pas? Ri, en haut, il dit qu'uniquement Machal Baenaour, ça marche, Shabbat. Sinon, tu ne peux pas le faire. Ok. Et Ri, Pali, Garava. Comment Rava, il est cholèque. Ve'amar, Enan, Dohineta, Shabbat. Comment ça se fait que Rava il dit qu'on parle Machal Baenaour, ouais? Oui, parce que sinon, ce n'est pas les Hem Mizbeach. Ah, ben Machla, le Kula Alma de Hin Shabbat.
ולכי כתבו דלן מלאכה בפני עצמה פליגי. דוחי שבת זה סוג כבי. לא חילוק אליהו, אז קורפי מלאכה בפני עצמה הוא פעם. Voilà comment, pourquoi Tosfot était obligé de dire ça. Mais où que ça t'attache, dit selon ça, j'ai le couché. C'est quoi ta question au départ sur le pirouge de Rashi? Mideten Hamisha Devarim Ba'in Betuma. Oui, c'est-à-dire Hamisha Devarim Betuma, Akhtara Betuma. Ya Akhtara Betuma. Nema, de l'Anyan Maharaka Bifne Asma Mair Bishmati. Là-bas, quand tu as dit Touma, tu fais, c'est tu le fais dans la Maracha Gdola. Mais dans la Gmara, quand on a dit non, c'est Maracha Bifne Asma. D'accord? Dans notre Gmara, on parle de faire Maracha Bifne Asma quand c'est Betouma. Ouais. Oui. Tu peux pas faire Maracha Bifne Asma. Mais tu peux faire, selon ta réponse, tu peux faire. Les Maharaka Gdola. Alors, tu as expliqué comme ça aussi, la Gmara de que tu as été marché sur la chute de Ptahim là-bas, Hamisha de Varim, Baim Betouma. Tu n'as qu'à dire que la Kavana, qu'on peut examiner Betouma dans la Maharaka Gdola. Donc, il n'y a aucune couche. Mais c'est pas ça le problème là-bas. Là-bas, je t'ai parlé de ça. Pourquoi? Pour te montrer que la. Alors, je te répète sa question. La Fresda, Rashi l'a dit, selon le plus rouge de Rashi, quand c'est Betouma, on n'approche pas. Et Varim, Betouma n'approche pas. On est d'accord? On fait que Zrika et Shrika, oui. Alors il dit, je ne comprends pas. On ne fait pas Akhtarat et Varim. Voilà Hamishat Varim, etc. Question de Tosfot. Question. Mais là-bas, bien sûr qu'on brûle. Quand je dis on ne brûle pas, c'est Malakha Bifne Asma. Je ne peux pas parler de Bifne Asma, on ne fait pas. Mais Malakha Imagdola, Imalakha Gdola, tu peux. Et la Gmara là-bas de Tsahim, elle parle dans la Maracha Gdola. Il n'y a pas de couchia. Mais moi je ne t'ai pas parlé de brûler. Je ne t'ai pas parlé de brûler dans une Maracha. Je t'ai parlé juste le fait de mettre dans du feu. Que ce soit Maracha. On est en train de prouver là que mettre dans du feu, tu as le droit. Ce n'est pas ça le problème. C'est est-ce que tu fais Maracha Bifne Asma? Non, c'est ça le point. De quoi je parle, moi, Rav Hazda? Je parle Betouma. Comme je suis Betouma, je te dis qu'il n'y a pas besoin de faire ça, Betouma. Tu as fait les deux premiers, ça suffit, arrête. Donc, c'est même pas ça le problème. C'est même pas le fait de brûler, même, j'ai envie de dire. C'est parce que je suis Betouma. Je te dis, c'est pas comme ça qu'il faut expliquer. C'est pas ça le point. L'air en lame, tu peux brûler. L'air en lame, tu peux même le brûler, mais pas Malakha Bifne Asma. Ça, ce que tu dis, c'est ce qu'on a compris jusqu'à avant de lire l'Iri. Comme ça, on a compris. Mais maintenant que tu as l'explication donnée qu'on fait un hélo contre Malakha Gdola et Malakha Bifne Asma, t'as qu'à dire aussi comme ça dans le pilote de la Chine. Bon, après, tu peux me répondre, Yesh Li Hachem, j'aurais pu te répondre, je t'ai répondu mieux, sans rentrer dans ce hélo-là. D'accord, c'est possible, on peut répondre. Bon, de toute façon, je t'ai répondu. Okay. Ok. Très bien. On fait fin de Gmara. Troisième volet, Itmar. Amchebe Esh Marta Umnora. Celui qui éteint les braises qui se trouvent dans la Marta. Encore celle que Yom Kippour, celle qu'on amène. Les fly et les fly, ouais. Pour les clorettes, oui. Non, ouais, pour les clorettes. Omnora, ou bien ceux de la menora, qu'on utilise pour allumer les mèches. D'accord. Après qu'il a pris des braises comme ça du misbéar, Parison, ouais, il a éteint. Il les a éteints, monsieur. Alors, Abaye Amar Hayab. Il est Hayab, c'est marqué Lotirbe. Transgresser un lab. Rava Amar Pato. Rava dit les Pato. Pourquoi? On va expliquer. Dechabie Berosh, Berosh, Shemis Beyar. Décolle Alma l'oplique de Haya. S'il a éteint alors que les braises étaient sur le Misbeyar,
Alors, tout le monde est d'accord qu'il est Haya. Qui plie d'Artiara. Alors, tu es lorsqu'il a fait descendre les braises en bas du misbère. Le Khabi, c'est là-bas qu'il les a éteints. Abayamar Haya. Abayi dit les Haya, pourquoi? Pourquoi? Eh, j'ai misbère. Ça s'appelle l'heure là, mais j'ai misbère. Même en bas, ça s'appelle j'ai misbère. Et c'est marqué l'Otirbe. On ne parle plus de Shabbat. Hein? Hein? On ne parle pas de Shabbat. Rava Malpatour, qui vient de Natka Natka. Puisqu'il a déraciné du là-bas pour la Misvah, alors ça y est, il a déraciné pour la Misvah, c'est bon. Bien qu'à l'origine c'était Shemisber, maintenant il a déraciné pour faire la Misvah, qui vient de Natka Natka. Là, j'ai dit. Demande à Gmara et la Ad Amar Abdurrahman Amar Abba Baravua Amori Gahelet Mala Misbeh Gabea Misbeh Bechiba Hayab Keman Kabaye. Ça veut dire que l'enseignement de l'Abdurrahman au nom de Abba Baravua, celui qui fait descendre Gahelet sur le Misbeh en bas et il a éteint, il est Hayab. Ouais, ça suit l'enseignement d'Abayé. Ça s'appelle le Alam Mesh Misbeah. Et pas Rava. Autant Rava, comme Rabbi Nohanel dit, la lacha est comme Rava en général. La lacha est comme Rav Nachman dans les Sourim, oui. Le dîner, je ne sais plus comment il dit. Alors, Keman, qui est Abayé, a fait le thème à Kerava. Atam lo intiq le miswata, acha intiq le miswata. Ici chez nous, il a pris le shum marta pour, ça y est, il enlève de là pour la miswa de la ktoret là-bas. D'accord? Et donc, ça ne s'appelle plus Echa Misber. Par contre, le cas de Rav Nachman, lo intiq le miswata, il n'a pas déraciné pour la miswa, une autre miswa. Après, il va peut-être le remettre sur le misber, celle qu'il a éteinte. La braise qu'il a éteinte. Donc, comme l'intir le miswata, ça s'appelle toujours Esh Misber. Mais là-bas, il parle intir le miswata. Quoi? Ika de Amré, c'est un. Une seconde. Il y a un RAN, une petite parenthèse, il y a un RAN qui dit que, dans ma serre de Rosh Hashanah, il dit que c'est vrai qu'on tient l'alakha à toquer à l'échir, celui qui sonne le chauffard pour chanter, et finalement il fait les triodes, il fait tout, ouais, il les quitte. À toquer à la mitraset, ça veut dire celui qui sonne pour être mehanech les enfants. Alors le RAN, il est mehadesh. Yvan de Mitkawen et Miswa, Heret Chouv, Maharir, Kavana, Rishona. Bien que, à toquer à l'échir, il est quitte, il ne pense pas à la Miswa, il est quand même quitte. Mais là, quand tu penses à notre Miswa, elle détruit la première Miswa. Alors, il dit au Mikan, le Maras Hayot, il dit Mikan de notre Mara, nous, on a une preuve. La Yagmura, de stam esh al misbeach bekol makom shu esh shel misbeach mikre ulam yad lakach mimenu la marta. Et quand il prend le feu pour la marta vintuk le miswa acheret, et là tu l'as pris donc pour la miswa de la marta, nitbat la kavana va'asiya lishona. Ça y est, bien que stam esh al misbeach bekol makom shu esh shel misbeach mikre, comme on l'a vu avec Rav Nachman, quand même, lorsqu'il intacte le miswa, il mivatel l'autre. On a dit, là, ça c'est propre pour l'Olam. Comme ça, le Malas Hayot, il a dit, j'ai écrit dans mon Sefer, à tel et tzvi. Très bien, Ika de Amre, je reprends la Gemara. Ika de Amre, une deuxième version. De Arte Ara, Vechabie, de Kula Alma, l'Oplique de Pato. Tout le monde est d'accord. Rava, Abaye, Rava, ils sont d'accord que s'il a fait descendre par terre et il a éteint,
Découle et Alma l'oblige qu'il n'est pas tout. Tout le monde est d'accord qu'il n'est pas tout. Il plégue des habits berochos et le misbeh. Le mahlok est allé lorsqu'il est berochos et le misbeh. Attention, on ne parle pas lorsqu'il est sur la malacha. Ça, c'est sûr que c'est interdit. Comme il dit Rashi, une fois qu'il a enlevé de la malacha les braises, là, le mahlok. Ah ben, il y a malachaya becha misbeh. Ça s'appelle le feu du misbeh. La va mal patour. Qui va de natka natka. Une fois qu'il a retiré du misbeh, ça y est. Demande à Gmara. Peut-être à la misbeh. Demande à Gmara. Il a dit à Mara Brahman, à Mara Baba Ravoua, Mourid Gahelet, Malgabé Misbeh, Vechaba, Vechiba, Hayab, Keman. Celui qui a fait descendre une Gahelet par terre. Il a été attiré Hayab, Keman, le Kabaye, le Kalaba. Ça ne suit personne. Réponse, non, Atam, lo enchir le miswata. Aha, enchir le miswata. Là-bas, il n'a pas déraciné de sa miswa. Donc, ça reste toujours Esh Misber. C'est pourquoi, Rav Nachman, tu diras, tu es Hayab. Mais chez nous, aha, enchir le miswata, il a arraché pour la miswa à faire, celle de Martha ou celle de Denero. Adran, Allah, Karav, Vekalfi. Quoi? On a fini, Baruch Hashem. Il nous reste Osfot, qui est plégué. Alors, on essaie de le faire rapidement, il y a un peu tard, comme on peut. Et puis, il y a d'Artar avec Abiyé. Abaye Amar Haya. On a le temps, là, c'est l'El Chichi. Ah, l'El Chichi. Alors, Eksha Rabben ou Simha. Est-ce qu'il y a l'El Chichi? Il y a l'El Chichi. Je rigole, hein, boss, je rigole. Ah non, je sais pourquoi l'El Chichi. Que tous les chichis ont fait tchikoun karet. Comme ça, on se prépare pour ça. Non, parce que c'est les chichis. Alors, Ekshe Rabbeinu Simcha. D'amal l'a'il, nitpazer et menakav gihali, mechabdan l'ama. Je ne comprends pas. Vous rappelez, là-bas, on avait quatre caves. On déversait dans un ustensile de trois caves. Il y avait un cave qui descendait par terre. Qu'est-ce qu'on faisait? La Gemara là-bas dit, mechabdan l'ama. On les balaye pour les mettre dans la hama. Et Rashi l'a expliqué. Les hama tamaim chez Baazara. Alors, demande, je ne comprends pas. Abaye, comment ça marche avec Abaye? Tu es en train d'éteindre la braise. Cachez les Abaye, selon ce lâchant-là. Cachez les Abaye. Voilà la couchia de Rabbeinu Simcha. Abaye a dit Haya. Il est en train d'éteindre. C'est pourquoi lui préfère expliquer. Pirej, je l'ai amadé, il est un matamaï, mais là, pas comme Rashi. C'est pas un matamaï, c'est un endroit qui s'appelle la hama. Donc, quand tu la mets là-bas, tu n'es pas en train de l'éteindre. Très bien. Moi, je me le matamaï, ce n'est pas dans le Mesbéa. Dans le Bet Amigdash. Selon Rashi, oui, selon le Rabbeinu Simcha, non. Velinira. Et ce soir, tu dis, moi, j'ai une autre réponse. De la Tachia. De la Mihaye Mishum. De Kiman, de Mbemitkaven, Hote, Beshilda, et Kavin, Mare, le Shilgim, et Kavin. Venit Pazel, Men, Kav. Omachin Pazel, et Noromet, le Osfan. Et Filo Abaye Mode, Kiman, de Intik, Intik. Aval Esh, de Marta, ou de Mnora, Maïri. De Arta, Ara, ou Bikli. Le Hazel, et Miswata. Il dit, moi, je pense que même Abaye va dire pas tour là-bas. Pourquoi? Parce que quand il prend quatre pour mettre en trois, il y a un taf qui va tomber par terre. Ça s'appelle, ils sont bételim, ceux-là. Ils ne pensent pas les ramasser, n'est-ce pas? Ils ne pensent pas les utiliser, n'est-ce pas? Alors, il dit, dans ce cas-là, intik, ça n'a plus le chef de Hesh-Misbeh. Ça y est, c'est fini. Par contre, ceux qui sont dans la Martha, il parle ceux qui sont dans le keli de la Martha. Cela, tu vas les utiliser pour la miswa. Pour lui, pour Abaye, comme tu vas encore les utiliser pour la miswa, hein, pas comme Rava qui pense une tarée miswata. Lui, il pense que ça s'appelle encore Esh Misbeh. Mais ceux que, ça y est, tu ne vas plus rien faire avec eux, ceux qui sont tombés par terre, même Abaye, il est d'accord que tu es pas tout. Hein, on ne va pas tout de l'homme Yahya, mais là, on Esh Misbeh, on a fait le matin, et il a adoré. Kemo Amorid Gahelet Vechiba de Hazia la Adula. Selon Rava, il est pas tout. Pourquoi?
C'est l'homme Hayev. Quand est-ce qu'il est Hayev? Ou bien Berosh Mizbeach, ou bien même s'il est le Mata, Echad Ekaïl le Ahadure. De quoi Echad Ekaïl le Ahadure? Il est remonté. Il est remonté. Kemot, par exemple, Amorit Gahel, comme le cas de Rav Nachman, autrement dit, Amorit Gahelet, Vechibad, Echad Ekaïl le Ahadure. C'est là que tu peux la remonter. Mais ceux que tu vas utiliser pour la Mismar, tu n'as plus les remonter. Ceux-là, Intak le Miswata, il ne s'appelle plus Esh Misbeya. Selon Abaye, les Miswa, ce n'est pas encore Esh Misbeya. Selon Rava, les Miswa, non. Que ceux que tu remettras dans le Misbeya, ça s'appelle Esh Misbeya, même s'ils sont tombés par terre. Selon le premier lachon. Veshu Masaji, Tosfot Tamich, le Rabbi Baruch, le Rabbi Ishaq, Cherchez à coucher avec les mochiras. J'ai vu là-bas, il a posé la question comme on a posé, il a répondu comme j'ai répondu. Oh, tirez, et il a rapporté un autre tirus. Peut-être qu'on a dit qu'il est balayé dans la hama, même s'il y a de l'eau. Abraji l'a dit, une fois que ça s'est éteint. Donc il n'y a pas de coucher selon Abaye. Réponse simple, non? Eh bien, donc ça veut dire qu'on a. Réponse de la Benou Simha, l'ama, ce n'est pas Maïm, pas comme la Chine. Mm. La réponse de Tosfot, ceux qui vont rester ensemble, cela c'est fini. Et la réponse de Rabbeinu Baruch, Ben Rabbi Ishaq, il y a une fois que ça s'est éteint. Maintenant, quatrième, le Katab, c'est Rabbeinu Nissim Zassal, toujours le Hacham Rabbi Baruch. Il a écrit que Rabbeinu Nissim Eksha Otav Bemgilat Starim. On rapporte Megilat Starim de Rabbeinu Nissim. Et là-bas, il a posé la question. Pas vraiment clair comme on l'a posé maintenant. On va voir comment. Vezeh le Jono. Al Gehalim Kdoshimem. Lui pose la question par rapport à la Kdusha de Gehalim. Al Gehalim Kdoshimem. Kedetnan. Tous, je sais qu'ils sont Kdoshim. Osif Rabbi Akiva. הסולת והלבונה והגחלים, שאם נגע תבול יום במכסתן, פסל את כולם. דקור, ודבד, דורזן כלי שרת, סולת וביין לבונה וביין גחלים, התבול יום מילתו שאין פחצ'י, ירום פסול תו לגחלים. זה כאילו פתו שתו לגחלים, את שקין פחצ'י. ירום פסול תו. וקרובו דולה כלגחלים מסור קדושים. ואם כן, Lui, il ne pose pas la question par rapport à Abaye uniquement. Il pose la question de manière générale. Si c'est Kadosh, comment c'est possible que tu les balayes la Hama? Voilà sa kushia. Elle ressemble à la nôtre, mais ce n'est pas la même. Et pourquoi tu la poses pour Abaye? Non, chez nous, on l'a posée pour Abaye par rapport à ce qu'on a ici. Et là-bas, il a posé par rapport à la Kedusha. Ah. Même tout le monde doit avoir cette question, pas que Abaye. Les Birushalmi on pose cette question. Mais pourquoi Gehalim, tout devient Pasoul? Pirush, je t'explique la Gemara. Amai Pasal et Kulan. Valo enam Kdoshim. Mais les Gehalim, ils ne sont pas Kadosh. Amai Rabibon Barav Kahna. Chipater be Gehalim Shelyom Akipurim. Chibemal Shiochotet Kulan ou Machnis. Dit qu'on parle des Gehalim de Yom Kippur. Et quand il récupère les Gehalim, la même pelle qui récupère les Gehalim, c'est avec ça qu'il va faire rentrer à l'intérieur. Ouais. C'est pas tel Gehalim, j'ai Bema, si ou Chotet, Kulan ou Machnis. Aval Gehalim, chez le Kolyom, l'eau. Par contre, les Gehalim de tous les jours, non. Kiaïd et Taninan, n'est pas zéré, mais n'a pas Gehalim et Chabdan la Hama. Comme on a enseigné, le kaf qui tombe par terre, tu le balayes, tu le mets là-bas. Donc tu vois bien que ce n'est pas Kadosh. Ce n'est pas Kadosh. Ce qui est Kadosh, c'est celui du Yom Kippur.
D'accord? Ce que tu es trotté, c'est ça que tu vas être marnis. Mais ce que tu es trotté, tu ne vas pas être marnis tout parce que tu vas faire tomber quelques-uns au sol. Ce n'est pas kadosh. Pirouche, on avait expliqué ce qu'on vient de lire. Gehalim shel yom kippourim bikli shechotebo ou marnis. Le kli qui va récupérer les gehalim du misbeach, avec ça, il va rentrer à l'intérieur. C'est pourquoi le clé, si le volume lui touche une partie, l'autre gahel, ce qui est de l'autre côté du clé, elle est aussi psoula. C'est pourquoi le clé, il est associé. Avant, partage le caisse. Mais la partage le caisse, qui est juste pour être trotté, après tu vas déposer dans l'autre clé chez le zah. Oui. Partage le caisse. Chez elle, Kylian. Ce n'est pas leur Kylian. Avec quoi ils vont rentrer par la suite? L'homme est salfa. L'homme est salfit. Et c'est pourquoi je peux être mechabed potan la ama. C'est pourquoi je peux les balayer dans la ama. Le kli, kesef. La martage, le kesef, elle n'est pas mechadesh et le gehali. Très bien. Du coup, on répond aussi à notre question. Est-ce que ce n'est pas un Merkadesh? Est-ce qu'on répond à notre question ou pas? Oui. C'est pas un Merkadesh. Tu peux éteindre? Est-ce que je peux éteindre? Je peux éteindre. Bah oui. Tout notre problème, nous, c'est qu'on éteint. Est-ce que le djinn de Lotir B, c'est par rapport à une Kudusha? Le Hesh, il n'est pas Kadosh. Le Hesh, il est Kadosh. Le pasteur qui te disait l'eau tirbée et chez la misère. Oui, le Hesh Kadosh, on a dit le Gehalim sort de Shim. L'eau tirbée et chez la misère. Pourquoi l'eau tirbée et chez? Parce qu'il est à la misère. Il y a un djinn de ne pas être rappelé le Hesh et misère. Le Hesh n'est pas Kadosh. Ce n'est pas un djinn de Kdusha, ça. C'est un djinn de Kibouille. On n'a pas dit Gehalim, on n'a pas dit que le Gehalim sort de Shim. Laisse tomber le Gehalim. Moi, je te pose la question. Même si tu dis que le Gehalim ne sont pas Kadosh, il y a un autre djinn de l'eau tirbée. Et mechabé, le feu du misbéach, même okay. S'il n'y a pas de kdusha. Pas de kdusha. Le feu, il a une kdusha, le feu. Non. J'éteins le feu, je ne sais pas. Comment on a. Peut-être, regarde. Je ne sais pas. Et Bishlama, si tu dis que le misbéach, il est mechadesh, les gehalim. Ok. Un ishomer. Mais si tu dis ça, tu vas te poser la question qu'est-ce que tu m'embêtes avec la marta chez le kesef alors? Même si tu prends la marta chez le kesef, le misbéach, il était mechadesh. Et j'ai une autre preuve. Comment il te dit Rabat? Et te dit, il est sorti de sa misva, c'est pour ça qu'il peut l'éteindre. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est sorti de sa misva? C'est quel quoi? Et alors, maintenant, dans une autre misva, il y a du kiboud. Non, c'est d'Afka parce que c'est à la misva. Qu'est-ce que ça veut dire, d'Afka à la misva? Tu vas respecter que la misva? Non, parce qu'il y a une gdoucha. Non, au contraire, de là-bas, tu vois que tant que ça a le shem de esh, shel misva, il y a le chiyou, il y a l'interdiction. Là-bas, la gdoucha, elle est toujours. Mais à la limite, je te dirais que le misva. Tant que tu es dans esh, shel misva, il y a le problème de l'otirbe. Si c'est plus Echel Misbeach, il n'y a plus le problème de l'otirbe. Au contraire, Mikadanaya, les FR. Non, parce que moi, je te dis que quand tu vas faire quand tu l'enlèves pour cette misva pour aller faire la Marta, ça y est, c'est donc, plus Echel Misbeach. Donc, la Kdusha, elle reste. Et pourtant, il n'y a plus le problème de. De Mechabé. Pourquoi? Donc, je vois bien que ce n'est pas lié à Kdusha et l'otirbe. Mais si, parce que tu as vu comment il répond Rabat. Rabat, il te dit il est sorti de sa misva. Moi, je comprends, il est sorti de cette misva, c'est-à-dire il est sorti de cette gdoucha qu'il avait au début. Et même toi, le chacham que tu as cité là, il disait aussi quelque chose un peu comme ça. Quel chacham? Rabbi Nissim Gaon? C'est pas moi. Qui? Quel chacham? Oui, je ne sais pas, c'est pas Rabbi Nissim Gaon. Tu as cité à un moment donné un chacham qui tirait d'ici une preuve de rabbin, tu avais dit. Ah, Marat Hayot. Oui, voilà, Marat Hayot. Ah, Marat Hayot, ça n'a rien à voir. Il te dit que quand tu as une kavana pour une autre mitzvah, tu annules la kavana. Bestam d'avant. Tu annules. Et donc, quand tu viens de Kavana. Ici, ça ne va plus s'appeler. Alors, ça s'appelait Esh Misbeach. Maintenant que j'ai Esh Martin, ça ne s'appelle plus Esh Misbeach. Ça sort. Mais malgré tout, je dirais qu'il y a une Misva quand même, même s'il fait autre chose. Réponse, ce n'est pas un problème de Misva. C'est un problème de Kdusha. Bon. Très bien. Je sais pas, moi, je crois qu'il faut réfléchir dessus. Ok, je vais mettre une. Omeo, Rabbeinu Baruch Piresh, le même Rabbeinu Baruch, hein. Ce même Rabbeinu Baruch, il a rapporté
Megillat Tarim de la Ben Nissim, avec son pirouche, et lui-même, il va expliquer autrement. D'accord ? Débarré, lama passa les koulan. Voilà, et nos salir, les clics. La Gemara pose la question, donc pourquoi, quand le volume il touche, il ne rentre pas sous le tout. Voilà, et nos salir, les clics. Char et nitpazer men kavge halim. Et il n'a pas besoin d'un clic, la preuve, il y a bien un kav qui tombe par terre. Va filo les mains d'Amal Behagiga décli, il explique la question encore. Va filo les mains d'Amal Behagiga décli Messarev, même selon celui qui pense que les Messarev, a filo chez Messarev les clés, même si tu n'as pas besoin du clé. Aïno les mains d'Amal Siro de Oraita. C'est pour celui qui pense Siro de Oraita. Même si tu n'as pas besoin du clé, le clé les Messarev. Yaz aussi fou hachamim, a filo chez Messarev les clés. Sirouf de l'Aïta, c'est quand tu as besoin du kli. Hachamim, ils ont rajouté quand tu n'as pas besoin du kli. Par contre, les mains d'Amar, Sirouf, quand tu as besoin du kli, c'est de la banane. Quand tu n'as pas besoin du kli, non. Alors, les mains d'Amar, Sirouf, de la banane. Là. Oui. Et là, en l'occurrence, je n'ai pas besoin du kli. La preuve, tu prends deux, quatre. Il y en a qui vont tomber par terre. Donc, les mots, Harbepel, ta promesse là-bas. Om Chane, et la Gemara là-bas répond. Béchel Yom Akipori. C'est-à-dire, j'ai besoin du clé. Chez Ayou Koulam Kudoshim. J'ai besoin du clé. Je prends. Et avec ça, je vais rentrer. Veouadjin d'Awa Masilitrousse. Bemartash Nia Shel Gimel Kavin. Chez Meotan et Pazel Klan. J'aurais pu aussi répondre, une fois que j'ai pris de 4, je l'ai mis dans celle de 3. Celle de 3 aussi, là, j'ai besoin du clé. Ouais. Eh bien, tout le monde par là, même ce qui est de l'autre côté, c'est. J'aurais pu répondre aussi ainsi. Quoi? Très bien. Le rabbin Outa Meshiv, le rabbin Outa, le rabbin Rabbi Yaakov Israël, le hacham s'appelle Rabbi Yaakov Israël. D'accord. Ben Yanahé. Toujours pour répondre à la question de départ, d'accord, il veut répondre lui d'une autre manière. דלקח מחבדן לאמה דקלי שרת אין מקדשין אלא מדעת ולא מקדשי אנרגיה חליב ולמם סגנון דורבנו ניסים שפועת מחבא פסקו יספה קדוש לברז אלה פרדושה דקור ופוכל לברז כתומה פרטר אלה פרדושה מדייקת דון תרויה עקב כתום פרטר פוכל parce que un kli mekadesh et la midat. Et moi, je ne pense pas être mekadesh ceux qui vont tomber par terre. Donc, ils ne sont pas kadosh. Donc, si ce n'est pas kadosh, il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème de kibouille. Ça veut dire que, en fait, peut-être pour expliquer pourquoi, quand il n'y a pas kadosh, il n'y a pas de kibouille, c'est comme maintenant il est menater kotam les davar aher les gars. Mm. Ça ne fait plus kashi. D'imken tikshim mikan le mandamar pelak le varava qui shalet mekadeshin shemidat. Il dit mais ça c'est marrant. Il y a une dia qui dit que non. Il y a une dia qui dit qu'il shalet mekadeshin shafilo shemidat. Question contre Rabbi Noutam. מיו בפרק עמד עם נחות דייק רבי יוחנן מברייתא זאת אומרת כלי שרת אין מקדשים אלא מדעת ושימה סבור כאי ברייתא ויתקור אבי קרבי יוחנן אלא משנה מברייתא כי ג'י כאה דולה שבועה כסותנה לה איפנס כאילו כלי למחדש ומדעת כספוסיב כאילו תנה שינו כי הדיק שבבלייה לאמה איפנס כמסותנה לה ועדו כל הרפונדו לקסטיון קונטרולה ונותה והכי נמיין לומר דמחתה לשונה של רבת אבים לא הייתה כלי שרת דאקציב ולקח מלוא המחתה גחל אש משמע שהייתה כלי שרת העולה שבבות חודיר תוספות תוספות שידי נביין פעם מודיר ולפרמר מחתה סקיפי קאט קווים סקיפי קאט קווים לא הייתה כלי שרת. Elle n'était pas clichérée.
Des actives, la parmela martaga halesh. Mash mash, elle est à clicharet. La parmela martaga halesh. Donc c'est à clicharet la marta. Je vais me dire, attends, mais là-bas on parle de celle de Yom Kippourim. Et celle de Yom Kippourim, pourquoi c'est à clicharet? Celle que tu prends, celle que tu rentres. Mais celle de Ketravim, ce n'est pas celle que tu vas faire rentrer. Tu vas la verser dans celle de 3. Alors là, je peux te dire que la Martha de 4 Kavim, elle n'est pas clicharet. Il n'a pas expliqué pourquoi. Soit dit Loïtachel. De dire que la Martha de 4, mais je ne sais pas pourquoi, on ne fait pas la différence. Loïtachel, mais il ne m'a pas expliqué pourquoi. Il dit Loïodé Alam. Le chelouk, a priori, il se fait, pourquoi pas? Très bien. Veot, kiwan, daou, ala, misbeyah. Mekadesh, et ala, ouglo. Vedo, haklomar, daïno, daou, kabe, korbanot. On a un principe, on dirait que le misbeyah, le mekadesh, c'est ce qu'il y a pour lui. Et puisque ces brezna étaient sur le misbeyah, alors ils sont mitkachim. D'accord? Mmh. Wow. Et là, qu'est-ce qu'il a fait avec la fin? Donc, ok, ils sont mis 4 chines, et donc, il ne faut pas éteindre. Alors, venez, on voit à partir de 20 chines, qu'est-ce qu'il veut, Tosfot? Il veut éviter des réponses. Il veut éviter de dire la Martha de 4, elle n'est pas Mekadesh. Ça? Je ne sais pas. Et il veut dire la Martha de 4, elle n'est pas Mekadesh. Ça ne me plaît pas. Elle a le même djinn que la Martha de 3, la même djinn que la Martha de Yom Kippour. Et même si elle n'est pas Mekadeshet, avec le Mizbah, il est Mekadesh. Ouais, bon, je ne sais pas, il faut comprendre la fin de Tosfot. Hein. Je n'ai pas bien été maïn de. Allez, on s'arrête là. Baruch Adonai le Olam. Amen.